Oh merde. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue les chers nouveaux viewers pour Among Us, Zadizik et compagnie. C'est Among Us, c'est long, Exo, dégage de ce live, tu joues avec nous donc t'as pas regardé ce live déjà. Bref, on va aller dire bonsoir à notre compagnie parce que qui dit Zadizik et compagnie dit compagnie. Bonsoir les gens. J'arrive au meilleur moment. Parfaitement. Alors, du coup, je vais essayer de dire bonsoir vite fait à tout le monde. On dit bonsoir à Exo, on dit bonsoir à Ice Rose, on dit bonsoir à Jonathan, on dit bonsoir à Lemrig, à Missila, à Mojia, à Mister MTech, à Rutabagog et de manière posthume à Yoti. Voilà. Et bonsoir à Framboise dans le chat, bonsoir Exo dans le chat, Exo, dégage de là. Ruta, je te déteste. Ça dégoûte, mec. J'espère que vous allez bien. Ouais, oui. Non, j'ai envie de mourir. D'accord. Ruta, il a pris ma couleur. Ramène tes fesses avant qu'on se fasse ban. Bon, alors je vais déjà rejoindre la partie avant toute chose, avant de montrer tout en live, parce que voilà, j'aime pas montrer des choses. Hein. On va passer une demi-heure sur montrer le jeu. Je connais ce genre de live. Alors. Non, t'as caché le code en bas. Oui, parce t'inquiète pas. J'ai tout prévu. T'as vu, on est en ligne. Ah ouais. Boum. Nous sommes des professionnels. Alors, oula, ils sont tous alignés, incroyable. Je fais l'inspection des troupes du 14 juillet, là. Montre l'image, oui, on va monter l'image, voilà, regardez moi ça. Il y a un couteau sur la tête. Bah écoutez, c'est plutôt la preuve que je me suis fait agresser, non? Non, Red, il est toujours suspect, c'est tout. Ok, bon bah je vais casser. Salut. Pourquoi cette porte est fermée? Et bah c'était une bonne soirée du coup. Au revoir. Au revoir, Yves. Moi qui découvre que tu streams par hasard, bah fallait venir avant, putain. Zad Imposteur, non mais c'est pas vrai, non mais je me fais déjà trash talk dans mon chat, j'en ai marre. Pourquoi j'ai des gens qui parlent dans mon chat? J'ai jamais personne d'habitude. Bref, oula, alors je lis un peu ce qui se passe dans le chat, c'est incroyable. Let's go les gars. Les gars. Ouais, est-ce qu'on est bon ou quoi? Vous êtes assez portable? Bah ouais, j'ai pas de nouvelles de Yoti, je suppose qu'on va pouvoir démarrer. Zad, en passant, on est bien d'accord que si je te mute serveur, t'auras quand même le son X-Speed. Ouais. Parce okay, que c'est... Ouais, X-Speed, il parle le son de moi-même. Ouais. Alors par contre, ma caméra me rend flou. Et oh, bonjour, la mise au point. Et hello. Voilà, c'est bon, je crois. Exo, le respect est mort. Pire, je serais flou, hein. Même ma caméra me sait quoi. Non. Peut-être. C'est ma première vraie partie. C'est parti. Allons-y. Ça, c'est un live qui démarre sur les chapeaux. On commence doucement, messieurs. Dame. Let's go. Alors, normalement, ils ne m'entendent pas, mais vous, vous m'entendez. Alors, oh putain, alors je connais triple jeu. Alors, swipe card, bon, je le ferai plus tard. Je vais aller au storage, allez, hop. Oh, quoi, il y a personne dans la mine. Je vais aller tout seul dans la mine. Oh putain, il y a Jonathan. Si Jonathan me bute. Non, c'est bon. Oh putain, allez, bâtard. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire, hein. J'y connais rien. Mais quelque chose me dit qu'il faut se dépêcher. Exo, oui. Ok, bon, ça a été fait. Oula, j'ai pas regardé qui c'est que j'ai croisé. Oh, je suis nul. Ah, y'a quelqu'un là-dedans? Bon, quelqu'un en vert. Ils voient pas non plus le chat, ouais, d'accord, oui, ils voient pas non plus, hein. Enfin, ils ont pas très facile. Oh putain! Oh putain! T'as révisé le jeu, petit malin. Ouais, bon, j'ai révisé un peu. Mais bon. Ah oh, putain. Alors, faut savoir que MTech voit le chat, par contre, hein. Faites gaffe, hein. MTech voit le chat parce que c'est un peu mon modo principal. Bon, alors. Pauvre Zad. Alors là, ils m'entendent pas, mais c'est quand même des bâtards. Attendez, je vais pas vous dire où il est. J'ai d'abord demandé à tout le monde où était. Attendez, les morts, oubliez pas de faire votre colonne. Alors, moi j'étais à admin et je suis remontée dans la cafétéria et je suis redescendue comme dire, et j'ai vu personne en fait. Genre j'étais toute seule tout le monde, donc j'ai vraiment rien vu. Ok. Exo, t'étais où? J'étais caméra là. Attends. Réacteur puis caméra. Attends. Non. Alors j'ai vu Zadizik se diriger vers les réacteurs parce que j'ai fait le tour et j'ai vu le réacteur, il était encore en vie et ensuite je suis arrivée à admin. Du coup, il a été découvert où en fait?
Je dis pas encore. Où est-ce que le corps a été découvert? Mr. Maga, très bon joueur. Moi, pareil. Je viens de sortir d'Electrical. C'était le prédiction. Le meringue. J'avoue. Et deux autres personnes, mais je me rappelle plus qui. La meringue. Jonathan, t'étais où? Bah justement, j'étais à Electrical et je viens du réacteur où on a réparé justement avec Clémery l'alerte. Ok. Ok, parce que du coup, le corps. Ah bah attends, monsieur Tech, t'étais où? Ouais, moi j'étais au niveau à la navigation. Ok. Parce que du coup, j'étais avec Lemrig, on sortait d'Electrical, on va à droite et là, bah, il y a le corps de Zadizik. Dans Storage alors. Ouais, ouais, genre juste en face de Madame de Tens. Il y a aussi Rose qui est morte. Ouais, mais ça, j'en sais pas où elle était, moi. Qui l'a vu en dernier? Personne n'a trouvé le corps de Rose. Ouais, j'ai besoin de voir. Non, c'est celui de Zadizik que j'ai trouvé. Jonathan, t'étais encore à Electrical quand on est parti? Ouais, j'ai je sais pas comment MTech va s'en sortir. Je sais savoir que MTech, je sais pas si c'est un bon joueur, mais c'est quelqu'un qui sait se défendre, qui sait très bien. À Waypoint pour la dernière fois et après je l'ai plus croisé. Vous dites, ce sont des gens trop forts par rapport à moi. Oui, c'est ça. J'essaie de les laisser parler quand même. Tout en haut à droite, ok. Ça fait bizarre de faire un live comme ça, j'ai jamais vu. Il y avait 6 personnes ou il y avait 2 personnes à trouver un peu plus? Moi, non, j'étais toute seule. Non, moi j'étais à navigation. Ok. Bon. Non, c'était moi qui étais en admin et j'étais toute seule, il y avait personne. Ok. Oh, il y a eu un vote contre Utamaga. Donc c'est Utamaga que j'ai vu aller à l'Electrical, donc c'est assez logique qu'il m'ait trouvé juste après. Parce que Bah j'étais juste à côté. Bon, alors... Salut Ice Rose. Oh là là, putain. Et au moins j'inaugure bien la série de live. Full Engine, allez, j'y vais. Hein. Ah, je sens qu'ils ont perdu les lumières. Hop, j'essaie quand même de continuer à accomplir mes tâches. Parce que MTech m'a dit il faut quand même continuer. Alors d'ailleurs il est où MTech? J'aimerais bien voir où il est. Faudra que je voie ça si je le trouve après. En attendant il trouve pas de corps. C'est incroyable. Ça veut dire qu'MTech il reste très calme en vrai. Alors... En fait, j'ai croisé personne à la gueule, vous savez, j'ai même pas vu MTech arriver quand je suis mort. Genre vraiment, genre j'étais en mode... Alors, comment ça fonctionne ce jeu? Ah, ils ont trouvé quelqu'un. Ah, c'est Jo. C'est Jonathan, il est décédé. Ah, le pauvre. Ouais, alors, si tu mutes pas. Ouais, c'est mieux, ouais. Ok, alors... j'étais Cam. Genre, en fait, je suis arrivé Cam. Et genre, sur Cam... le corps, il était au-dessus de Med B, quoi. Ok. Quoi? Attends, il était où? Au-dessus de Med B. Au-dessus de Med B. Au-dessus de la de laboratoire. À l'entrée, quoi. Ouais. Ok. Ok. Bah, moi, j'étais. Moi, je crois pas que j'ai vu le jaune, moi, de la partie, là. Moi non plus. Donc... Bah, de toute façon, il est mort, là. Oui, oui, moi, j'ai vu. Alors, moi, j'ai croisé sur mon chemin, j'ai croisé l'Emrig. J'ai croisé Rutabagang et ils étaient tous dans la partie. Et Missila aussi, je crois. Et on était dans la même salle on à la toute fin. On était à Admin. Oh, ça se resserre, ça se resserre pour les attaques. Voilà, et j'ai rien vu du tout. Oh, mais moi je pense que c'est MTech et Exo, c'est tout. Hein. Ah, j'ai la petite doute sur la tête. Il y a deux imposteurs ou il y en a parce qu'à l'Electrical, il a popé tout seul en haut à gauche. Je sais pas si quand vous êtes tous montés ouais, à la tête. Alors j'étais derrière. J'étais derrière. Et c'est qui avait fait le weapon? J'ai vu quelqu'un à weapon qui tirait, c'était qui? C'est Jonathan, je crois. Moi, si je fais des weapons. D'ailleurs, je crois que les tasks, elles sont. Voilà. Il y a des tasks. Pour ceux qui savent pas, il y a des tasks où vous pouvez littéralement voir si quelqu'un les fait ou pas. C'est des tasks que vous pouvez pas. Non, mais ça, c'est désactivé. Vous pouvez pas faker. Non, on les voit. Non, non, c'est pas désactivé. Ah bah. Moi, je les vois pas personnellement. Ah, moi, non plus. J'ai vu Jonathan faire le. Je crois qu'elle sait qu'il va se faire. Merde, les tirs. Bah alors, on regarde pas du coup. Bah, ça saute un peu. Toujours un doute sur un tech quand même. Tu m'expliques quand je suis en 2-2, qu'est-ce que je peux faire à. Bah, t'as popé en haut dans les tricoles alors que tout le monde était. C'est bizarre, c'est juste bizarre. Par contre, là, faut voter, les gars.
Bon, il faut voter. Bon, on n'a pas vraiment d'infos. Ouais, c'est ça le truc. Galère là. Ah ouais, carrément. Ok, d'accord, ok, ça marche. Faut pas le dire dans le chat, mais c'est MTech. Je crois que c'est le seul imposteur. Ou alors il y en avait un autre. Non, il y en a un autre. Ah, ça doit être Exo alors. Oh, c'est qui l'autre? Ah, je sais pas. Parce que je sais que c'est MTech qui m'a tué. Mais n'écrivez pas dans le chat, hein, comme j'ai dit. Hein. C'est comme je vous dis, on a MTech qui regarde juste le chat histoire de modérer. Hein. Vu que c'est mon modo principal. Est-ce que c'est Missy là? Alors, ils sont tous les trois là, ils savent pas quoi faire! Y'a Exo qui arrive qui est tout seul. Faut savoir qu'ils se voient pas forcément tous hein, en fonction des murs. MTech il est tout seul là? Y'a MTech et Exo qui sont tout seuls en gros là. Ah, y'a l'Emrig aussi! Oh, j'avais oublié qu'il existait le mec! Ah putain, je peux pas les aider. Ah, mais c'est vrai, il est mort, je suis con. Mais MTech il est mort et moi je le cherche quand même. C'est où les communications? Ah, ils ont trouvé quelqu'un. J'ai une info. Ok. Ouais. J'ai vu Rutabaga tuer. Voilà. Quoi? J'ai vu Rutabaga tuer Exo. Voilà, bisous. Quoi? J'ai vu Rutabaga tuer Exo. Mais, voilà. Mais ça va pas. Parce qu'il y avait, c'était Missila et Rutabaga qui me suivaient pendant littéralement tout le Ouais. Oui, et puis moi je l'ai vu un moment, elle est repartie en arrière, elle est revenue. Oui, c'est toi qui es partie en arrière, tu es Exo, non, et puis c'est toi. Je suis revenu en arrière pour voir ce que tu faisais. Attends, moi je dis après, si MTK et moi sont morts, je pense que vous pouvez parler. Non, c'était derrière, moi j'étais en train de faire. Alors, je tiens à dire que Rutabaga, il s'est revenu en arrière. Il m'a vu que il a vu que lui a tué, ou c'était pas français, mais du coup il a mis O2 pour que j'évite d'appuyer sur le bouton. Mais non, mais n'importe quoi, je t'ai vu reculer en arrière, moi je regardais ce que tu faisais et je suis revenu avec toi. Oui, mais toi tu as tué, t'ai vu tuer Exo. En défense de Missila, elle me collait au cul jusqu'à que je fasse ma donc voilà, tasse. Dans le chat, si elle aurait pu me tuer, elle m'aurait tué en 5 coups. Ça veut rien dire, pas il l'a tué tant que moi. Il l'a tué au niveau du couloir d'Electrical. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a tué il y a longtemps ou pas? Non, il l'a tué devant mes yeux, donc avant... Je pense que Gunja est mauvais, Mais parce que j'ai pas pensé à report tout de suite, j'avoue, je voulais appuyer sur le bouton. C'était bête, mais du coup, ouais, c'est pas con. Mais l'Emrick, je te jure que c'est pas moi. Ouais, franchement, ça. Sur le coup, j'sais là, pas, c'est pas con. Mais vraiment, je vous jure, j'ai pas report parce que j'étais dans le stress. Je l'ai mais vu je tuer. Je vous jure que c'est pas moi. En vrai, là, on aurait pu skip là, genre. Ta voix est cachée derrière la leur, je vois pas de quoi tu parles. L'Emrick, vote. T'as voté pour qui, Akio? Bah. Ouais, excusez-moi si des fois leur voix est plus forte, hein. J'essaie quand même d'écouter ce qu'ils disent, mais en même temps, je veux pas trop... Voilà, quoi. Là, je les ai mieux de vite fait, mais voilà. Bon, ça va reprendre. On va pouvoir parler un petit peu. Merde. Faut que j'apprenne à parler par là, au lieu vers le chat. Oh merde, je crois que c'est un 50 live, il sait toujours pas regarder sa carte, tu sais. Et je sais pas, on verra. Alors? Non, c'était pas elle. Putain, merde. C'est où les communications? Je suis con, il y a une map. Ah, c'est tout en bas, après des storage, ok. Ah, d'accord. Je dois faire quoi? Ah, je suis con, c'est là. Ah là là, mais c'est trop cool en fait. Je suis content. Je suis content si la vie se passe bien aussi. Ah, les bâtards. GG. Petit bâtard. Je vous déteste. J'ai complètement paniqué. Mais en vrai, ça me paraissait trop bizarre que Missila reporte pas direct, du coup. Mais ouais, mais j'ai paniqué, en fait, sur le coup. Je t'ai vu tuer, j'ai fait merde, et donc du coup, je voulais appuyer sur le bouton, tu vois, j'ai pas reporté. Ah, faut peut-être enlever la ouais, je sais pas pourquoi, il y était encore, là. MTech. Ah bah oui, ouais, dis-moi. Tu es le pire des fils de chien que cette terre est portée. Non mais, alors, j'ai joué 10 secondes, littéralement.
Mais pour mais j'y peux rien, je vois quelqu'un, je cours droite, gauche, personne, je fais bah dégage pas. Mais je t'ai même pas vu venir. Mais au pire, je croise rue Tabaga, je fais, et on se regarde, et il m'emmène vers navigation, je fais oh, double kill, il kill machin, moi je redescends, lui il se barre, moi je redescends storage, je regarde storage, je vois personne à Electric Hall, je vois personne en haut, et je vois Zadizik en train de faire sa tâche comme un con, je fais au revoir, bah quel lien, je suis là. Non, par contre, Mugia, je sais pas pourquoi t'as pas voté Missila. Enfin, pourquoi t'as voté Missila plutôt. Moi? Ouais. Ouais. J'ai trouvé ça juste trop chelou, de genre de pas report. Ouais, mais ouais, non, mais j'avoue que sur le coup, j'ai vraiment paniqué, donc du coup, j'ai oublié le report. Vous confirmez que vous voyez, il y a Visual Task bien off, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ouais. Mais est-ce que vous avez corrigé aussi, parce que quand il y a des gens qui se sont éjectés, on voit s'ils sont imposteurs ou pas. Non, ah ouais. Non, ça on enlève. Non, ça on le voyait pas. Bah alors, quand on est mort, on voit. Oui, peut-être. Quand j'étais mort, je voyais pas. Quand MTech il a été éjecté, je voyais qu'il était. Moi je voyais pas, non. Moi j'ai pas vu non plus. Il y a des mises à jour qui sont pas faites. Je viens de recliquer, je viens de le refaire, donc je viens de le remettre. Okay. Peut-être jeu qui se joue sur téléphone, c'est peut-être différent. Ouais, c'est ça, c'est peut-être parce qu'on est sur. Bah non, je suis sur téléphone aussi, donc. Non, normalement. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à Utabaga? Ce gars, c'est un crack. Genre, il retourne le cerveau, vous comprenez plus rien là. Anthony, c'est d'accord avec ça. Hein. Voilà, c'est surtout qu'on a éliminé directement Mr. MTech. Mais en fait, je suis trop con. Je voulais pas sortir comme ça, mais il y a un moment, en fait, je passe derrière. Je voulais vraiment vérifier qu'il y avait pas de corps, parce que avant de faire le sabotage, et je me mange un fixe light à ce moment-là, je fais bah je peux pas redescendre là. Bon, hein, tant pis. Hein. Bon, vous êtes désolé. Moi je suis prêt. Vous, t'as eu peur, les mecs, quand t'es venu faire les coms. J'arrive pas à me connecter sur. Bah ouais, je me barrais pour pas que tu me tues. Mais... C'est quoi, Roger? Rien. Let's go, les gars. Bon, je suis encore un gentil. En vrai, ça me rassure. Je suis pas prêt à être un imposteur pour le moment. Je fais quand même gaffe un peu à ce qui se passe. J'ai pas envie d'être trop avec les gens, mais je sais que si je reste tout seul, je vais me faire détester. Attends, les lights, c'est par là-haut. Ah d'accord, ça a été fixe. Ok. Faut que j'aille en admin. Alors déjà, pour faire ça... Ah, y'a les mouilles... Putain, c'est... Oh, vous êtes des bâtards. Ok. Eh ben... Alors... À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je suis allé directement vers Weapon, j'ai fini ma task, je suis descendu, j'ai trouvé Ice. Encore? Mugia. La pauvre. Mugia. Oui. Il me semble que quand... Alors moi je suis parti à Weapon au début, et après je me suis rendu compte que j'ai pas de quête, du coup je suis reparti dans l'autre sens. Et je t'ai vu toi, Ice Rose, et une troisième personne qui allait vers Weapon. Et du coup, mais je sais plus qui c'était la troisième personne. Ouais. Quand ça? Au tout début. Bah au tout début. Ouais, c'est vrai, j'étais... Genre il y avait Ice, moi, et il y avait quelqu'un d'autre. Putain, j'ai pas regardé qui. Mais moi, j'ai fait Weapon parce que c'était mon task, et puis je suis descendu et puis cadavre. Bah du coup, moi, je peux save Lemric sur ce kill parce que bah il a pas réussi encore la carte comme d'hab. Hein. Et pour la troisième personne qui est partie Weapon, c'était moi. Sauf que moi, je suis resté comme un con bloqué dans le coin du mur à essayer d'avancer. Tu vois, en mode ça passe. Et je suis arrivé à Weapon. Après, j'ai fait demi-tour. J'avais une autre carte. Le corps était où du coup? De quoi? Il était juste genre vraiment genre tu descends de Weapon pour aller dans la salle. J'oublie à chaque fois, je suis pas très bien derrière, c'est vraiment dans le couloir juste en bas, ouais, okay. Pour aller à la ventilation. Et on a l'info de s'il est récent ou pas? À mon avis. Hein? À mon avis, est-ce que le kill est récent ou pas? À mon avis, t'as pas de timing sur le kill. Mais non, mais tu l'as vu il y a pas longtemps, est-ce qu'il y a quelqu'un? Au pire, il y a quelqu'un admin qui a regardé, je sais pas. Juste une question. Alors attendez, moi je pense. Alors Rue Tabaga, il peut me safe. Moi je peux safe Rue Tabaga, il était avec moi. Bah, apparemment, parce que j'étais. Enfin, c'était les lights, t'avais ta tasse que tu me voyais pas, frérot. Bah, si, je te voyais, t'étais juste à côté. Ah bon? Ah bon? Ça, tu me voyais, frérot. Tu le voyais? Et là, t'étais repris, hein. Mec. Ah, chelou ça!
mais c'était, de toute façon, ça a été juste avant qu'on se reporte. Et j'ai skip. Avant qu'il ait light aussi, il y avait Zadizik qui était en bas, donc ça peut pas être Zadizik aussi. Voilà, on est tous mute. Ouais, du coup, je sais que c'est pas l'Emrig normalement, parce que vu où il était et où j'étais, je pense qu'on l'aurait croisé s'il avait été buté Ice. Bon, pauvre Ice, comme vous dites, alors je vais pas se contenter de game. Pour moi, ça doit encore bon, je vais pouvoir finir ma table. Au début, j'ai eu trop peur parce que je croyais que c'était l'Emrig qui était en train de me buter en fait. Oh là là, je connais vraiment rien à ce jeu. J'ai encore un poil trop peur. Alors, juste je regarde vite fait. Ok. Y'a du monde à storage, à admin. Enfin, oui, je suis con, je suis admin. Y'a Mojia qui est toute seule là avec moi. Ah non, c'est vrai, regarde le truc. Ah, putain, je suis devenu bon avec le truc de la carte. Alors, l'entraînement, il me fallait toujours 10 minutes. Hop là. Je suis un peu en panique, hein. Je dois vous l'avouer. Oh putain, y'a MTech juste derrière moi. Je sais pas ce que je dois faire, merde. Upper Engine, c'est ici Upper Engine, non? Ou c'est juste en dessous? Ah, c'est là. Ok. Et je suppose qu'il faut faire la même chose en bas. Ah. Ok, mort. Emrig dirait. Alors, je, okay. Alors je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un en veut à la jante féminine sur cette partie. C'est vrai. Toutes les filles sont mortes. Non, je pense que Emrig, t'es d'accord avec moi là. On a, ouais, on ça a... paraît un peu suspect quoi. Alors, en plus, il est mute. Jonathan, t'as des soucis de connexion en ce moment et tout. Hey, Jonathan, ça va? Ah ouais, je crois que c'est... Ah bah je pense que oui en fait. Petit souci de connexion. Là Jonathan, les soucis de connexion et tout là. Quoi? Non, je sais pas. Les gars, faites vite, c'est pas assez long. Bon allez, dites qui c'est. Dites quoi? Parce qu'en fait, bah attendez, on vous dit. Attends, je peux te dire ou pas? Parce que du coup, je sais ce que vous allez dire. En gros, vous m'avez trouvé à côté du cadavre, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Totalement, ouais. Pour le coup, j'ai une excuse qui est réelle. Vas-y. C'est que j'ai littéralement tout crash, tout, de partout. Et au moment où je vous les reporte, vraiment. Ouais. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas moi qui les kill. Parce que moi, je venais de navigation et je crois que Diggy est passé juste avant. Ouais, je t'ai vu aux navigations. Qui ça? Il y avait. Ouais, il y avait. Du coup, c'était toi. Donc, t'es parti de navigation. T'as Missila qui t'a suivi. Ensuite, moi, j'ai fait ma tasse navigation. Je suis remonté. Justement, là j'ai trouvé le cadavre, donc je dis pas que c'est toi qui l'as tué, mais voilà. Et bah non, moi j'ai fait navigation. En fait, j'ai crash partout. J'ai fait navigation, ensuite j'ai croisé Missila sur le couloir. Mais t'es remonté. Je suis remonté, mais je suis redescendu direct en fait parce que j'ai vu Exo en bas. Il était où vite les amis. Le corps était au 2. Au 2, ouais. Le corps était au 2 au niveau de weapon. Ok, moi j'ai croisé Exo admin quand je suis descendu vers storage. Ouais, j'étais admin, j'ai croisé d'ailleurs Moja qui descendait vers storage donc qui a dû aller vers O2. Bon les gars, là je pense qu'il faut voter là et il faut voter où Jonathan ou Ruta. Moi je vote. Moi je peux m'assurer que j'ai pas fait le kill. Désolé mon pote, mais. Oh putain. Il n'y a pas les gars ou quoi là? Vous êtes fada. Bon, je sais pas trop quoi penser. En fait, j'ai croisé tellement peu de monde et en fait, c'est tellement genre, enfin, c'est ma deuxième vraie partie du coup. On est dans mes premières vraies parties, alors du coup, forcément, je comprends pas forcément tout. Alors attends, par contre, MTech qui me suit, ça, j'ai pas trop confiance. Bon. Ça va. Il m'a pas buté. Alors peut-être qu'il fait l'innocent. Ah putain, il y a les lights. Ok, qui était avec Exo là, les gars? Qui passe? Moi j'étais au cam. Ah putain, il y a un mort, oui. Oui, parce que là, vraiment fallait buzzer. J'ai juste vu MTech passer, alors je crois que c'est la cam en haut à gauche. Ouais, moi j'étais avec O2, avec Zadizik et un autre. Et j'ai vu Exo. Il y avait Ruta Baga derrière nous quand on est passé par navigation. D'accord, et t'es où le corps? J'ai vu Exo passer sur aucune cam. On n'a pas trouvé le corps, c'est un merde. Non, on l'a pas trouvé, c'était un buzz. Ah, ok, d'accord.
Parce que le problème là, c'est qu'en fait, il reste deux meurtriers. Merde. Du coup, ils auraient pu chacun tuer quelqu'un et ils auraient gagné. Du coup, il fallait. Oui, c'est ça. Et puis, j'aurais dû buzzer plus tôt parce que sinon. Passer à aucune cam. Donc, s'il est dans une salle, il en est pas sorti parce que je l'ai vu passer à aucune cam. Mais de toute façon, le corps, il a disparu là. Du coup, le seul que j'ai vu au cam, c'est MTech. Ruta, t'étais où? J'étais à Weapons. Jonathan, t'étais ouais, quoi, caméra? Oui, j'étais cam. Vous avez dit que t'étais où? J'étais en O2, si je me trompe pas. Ok. Et les marines, t'étais où? Et moi, je viens de remettre les lights là, juste avant que ça buzz. Non, elle était toujours active les lights. Non, moi, je voyais rien. Il y a eu un moment où ça. En fait, au moment où je les ai remises, il a buzzé parce qu'il peut pas buzzer sans qu'il y ait les lights. Ah, ok. Enfin, quand il n'y a pas les lights, il peut pas buzzer. Donc là, vous fautez. Oui. Attends, t'étais où toi, MTech? Moi j'étais avec Zadizik en O2. Attends, ouais. Je vais vous dire ma supposition. Ruta, juste avant, il y a eu la suspicion entre lui et moi pour Missila. Je pense que là, il a fait son kill, il est revenu qu'à fait, il a instant call le meeting pour pas qu'on trouve le corps. Mais frérot, si j'ai. Mais t'es Ruta, t'es allé où après si navigation gagné, si j'avais eu gagné, j'aurais pas activé le buzzer et j'aurais laissé mon mate faire le kill. T'es allé où après navigation, Ruta? Je suis pas allé à navigation, je suis allé à Weapons, j'ai fait le download en haut. Et donc on te voyait plus parce qu'il y avait les fixettes. Oh putain, je sais vraiment pas. C'est très bien, ne pas être sûr de le mate. Et pour moi, le call de call le meeting tout de suite, c'est un call de très bon joueur. Et je sais que t'es un bon joueur. Mais non, mais mec, en fait, si je collais pas le meeting, ils avaient juste à faire un kill et on était fini. Oh bordel, mec. Mais... Let's go. Oh putain. Ouais, attendez. Oh putain vache, c'est... Alors j'ai préféré skip parce que vraiment je sais pas qui croire, je suis nul. Bon, il faut que je retrouve où c'est navigation par contre. Ah oui d'accord, c'est Weapons en fait, je suis con. En fait navigation c'est là. Oh putain. Bon, je suis trop loin. J'espère que quelqu'un d'autre le fera. Parce que là je suis trop loin. Let's go. Allez. L'avais dit. Allez bâtard. Tu vois, alors, je tiens à dire vraiment désolé à Ice. Putain, encore une fois. Merci, ouais. Deux parties, je vous le dis tout le monde à chaque fois. Ice, d'abord. Mec, je t'ai vu venir. J'ai vu la lumière s'éteindre. J'ai fait. Attends, il s'est bloqué dans le mur juste avant. Vraiment, je vais crever. C'est sûr, il va vent. C'est obligé. Ah, bah, c'était sûr. C'est sûr. Par contre, miskin Jonathan. Hein. Ouais, Jonathan. Ouais, non, par contre, vraiment, j'ai fait le kill. Mon jeu a freeze. Vraiment. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand même un peu triste. Ah, excuse, j'ai mon chat qui se fout de ta gueule qui dit t'as joué 20 secondes en deux games et la troisième on part sur 30 secondes. Non, c'est pas grave, écoute, y'a pas de soucis, j'ai compris, personne m'aime. J'ai tant de votes plus longs par contre, c'est ça. Ouais, MTech, faut que tu mettes plus de discussion. Enfin, ouais. Plus de. Ouais, plus de voting time. Un peu plus de tâches. Ouais, parce que ouais, ça passe vite en final. Hein. D'habitude, on met 200 secondes. Non, 200. Tu peux mettre 150. Ouais. Non, on va pas faire des débats non plus, il va falloir aussi qu'on décide d'un moment à un autre. 150, ouais. Oui, mais 200 en fait, mais 200 de toute façon, quand tu votes, que tout le monde a voté, bah c'est fini. Donc, oui, ouais, mais par contre au début, 100, à la 150, fin, c'est pas mal. À la par fin, contre, j'étais quasi sûr pour Jonathan, mais je pensais que c'était Zadizik au lieu de Ventec. Ouais, moi aussi, je pensais que c'était. Laissez-moi déjà découvrir le jeu. Ouais. Alors juste comme ça, peut-être vous le savez pas, mais quand vous êtes mort, vous pouvez continuer à faire des tasks. Hein. Du coup, il faut les faire quand vous êtes mort. Il faut parce faire. Parce que je vois des gens pas. Ouais. Parce que si vous ne les faites pas, les crewmates ne pourront pas gagner. Ouais. Faites attention à ça. Du coup, quand vous êtes mort, vous continuez de faire vos tasks. Du coup, faites-les, même si vous êtes décédé, parce que vous pouvez. Je rajouterais bien une petite tâche rapide, je pense. Ouais. Ouais, peut-être plus de tâches aussi. Hein. Moi je trouvais que c'était équilibré, perso. Non, là je trouve ça va. Trois champs de tasks, c'est bien. Et du coup, allez, c'est parti. Moi je confondrai plus le Weapons et Navigation. Faut que j'apprenne encore le nom des salles. Ouais, on se met. Allez, let's go, comme ils disent. Bon, je suis toujours à Comète, c'est bon. Alors, électrique. Alors, attendez que je lise ça. Electrical. J'ai beaucoup de trucs à faire à Electrical là, on va y aller immédiatement. Histoire de se faire déglinguer. Alors attends, on passe un admin. Comme ça, oh putain, il y a Jonathan qui est resté tout seul. Ok, bon, j'ai plein de trucs à faire en électrical. J'espère que je vais pas me faire déglinguer en électrical. Oh, j'ai trop peur. Qu'il y a quelqu'un qui passe en mode BOUR. Lui il est content, nous on est déçus. Bah,
Enfin, foutre si vous êtes nul. Quoi? Allô? Alors, clac, 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 trop fort le Zadizik. Hop. Oh putain, je suis trop loin, démerdez-vous. Y'a personne qui va y aller. Yo Aeron, bonsoir. Ah. Hello, hello. Hello. Okay, c'est... Ah merde, j'allais dire que c'était Exo, mais c'est lui. Petit coup du karma pour MTech. On se semble rire. Dites-moi où vous étiez là, vite fait, vite fait. J'étais en électrical, moi. J'ai dit une tâche en électrical. Est-ce que je peux juste poser une question? Parce que j'ai vu un truc qui m'a paru extrêmement suspect, c'est-à-dire une veine s'ouvrir. J'ai vu une veine à shield s'ouvrir, puis quelques secondes après, voir Missila sortir de shield. Non, Jonathan, non. Non, pour le coup, je suis pas sûre parce que Missila, je l'ai vue. Je suis passé avant elle. J'ai vu une veine s'ouvrir, je l'ai vue arriver. J'ai fait demi-tour pour voir parce qu'il y avait Lemric derrière moi. Et je suis allée voir justement si Lemric il avait pas tué quelqu'un parce que je trouvais ça bizarre qu'il me suive. J'avais pas encore envie de mourir encore une fois au bout de 10 secondes. Et du coup, je sais pas si c'est Missila ou si c'est Lemric. De communication, j'ai vu une veine s'ouvrir. Alors moi, je n'ai rien vu. J'ai vu Ace. Mais après, non, j'ai pas vu de veine s'ouvrir ou quoi que ce soit. Donc, non. Le schéma, en tout cas, ça colle avec le lion de mort. Exo, juste une question, quand t'es parti en bas pour aller vers en haut, est-ce que t'as croisé des gens du coup? Non, quand t'es allé en bas pour aller en haut. En fait, j'ai croisé toute la masse de population quand je suis allé aux communications tout en bas. Et ensuite, je suis remonté quand il y avait l'alerte. Et là, j'ai trouvé le corps, en fait, j'ai trouvé le corps avant d'arriver à O2, donc dans le couloir entre navigation et O2. Moi, j'ai laissé MTech tout seul dans la truc de pilotage. Là. Ouais, j'ai laissé tout seul ici. Ouais, navigation. Et après, je suis descendu en bas, du coup, et après, je suis remonté pour aller faire O2 en repassant par. Ben, Ice Rose, tu m'as vu là, je suis passé par Cafeteria pour aller à O2. Ouais, du coup, ça colle parce que la veine de. Ça colle avec la veine Shield. La veine va jusqu'à Shield. La veine alors, j'ai pas pris la veine, et déjà, je suis pas allé dans navigation. Et ensuite, je suis descendu pour aller faire la tâche au niveau du Shield. Et après, je suis remonté à Admin. Bah t'as peut-être eu un très mauvais timing, mais j'ai vu la veine s'ouvrir et toi passer juste après. Et bah je suis passé au mauvais moment, au mauvais endroit, mais j'ai pas vu Vent, donc ça peut... c'est pas moi, je vous jure. Bon écoutez, moi je pense on peut skip, on peut skip. Ouais, par contre je dirais quand même, je ferai la précision que Ice a défendu Missila, donc si jamais... Ouais, c'est moi, c'est ça. Je vous le dis au cas où quand même. Ça peut être un indice. Un petit duo féminin. Par contre je crois que je lag ma... Non c'est bon. Par contre les gars, votez pas direct dès le premier tour. Merci pour les gars. Ah mais si là. Ouh. Pas fait d'exploit, bon, alors, j'ai toujours un milliard de tâches à faire à Electrical. Alors, j'ai des trucs à faire. Non, j'ai plus rien à faire en admin. Faut que j'aille ici. Alors, c'est quoi ici, là, comme salle? C'est communication, d'accord. Faut que j'apprenne... Je continue à apprendre les salles en attendant, hein, vous inquiétez pas. Je n'ai aucune idée d'où est Medbay, d'ailleurs. Faudra que je voie... C'est quoi, ces réacteurs? Oh, putain, je suis trop loin. Allez-y vous-même. Moi j'ai des tâches à faire, je me rends utile à la société. Putain, Exo me fait un poil peur. Il est déjà allé en electrical ce bâtard, c'est pour ça qu'il fait peur. Oh putain, je vais me faire buter, j'ai caca. Coup dur, coup dur. Je me pas, écoutez, je me pas, même pas. Allez. Alors, je rêve, il y a 10 000 personnes qui sont arrivées en électrical, je sais pas comment ici, mais putain. Oh la pauvre. Mais à couche de la cafette. D'accord, merci Owen. Même pas par le chat. Bonsoir Dianorg d'ailleurs dans le chat. Bonsoir Owen, bonsoir Elron, à ceux que j'ai pas pu dire en vocal d'ailleurs. Hein. Merci Owen pour le follow aussi. On va les écouter un peu ce qu'ils disent. Missila, tu les as dit sous nos yeux et après la peine. Bah vraiment, Missila aurait pu me tuer 3 fois, donc je suis contente qu'elle m'ait pas tué. Vraiment, les Vent, t'as l'air d'amuser, ça a l'air de t'amuser, hein. Je vais me taire. Ouais, alors en fait, c'est mon... MTech, c'est mon modo principal, mais c'est aussi mon community manager. Et oui, moi j'ai 2 viewers et j'ai un community manager. Qu'est-ce que tu vas faire, Saras?
Faut que je sois moins vulgaire des fois. On les écoute. Bah, heureux c'est d'avoir défendu pour rien alors. Je plains le deuxième imposteur. Faut toujours un bouc émissaire. T'avais quand même à buter comme un chacal quoi. Alors bon, j'ai des tâches à faire. Je dois aller en electrical. Je vais bien finir cette tâche. Ah j'ai ça à faire aussi. Ah. Bonjour. Voilà, parfait. Ensuite, on continue. Ça c'est quoi? Fix light. Ah je peux pas le faire. Ok. Mac il se démerde. Hop. Ça en download. T'as pris une balcotte. Item tech. Hop. Voilà. C'est vraiment très intéressant, hein. Alors du coup on m'a dit à gauche de la cafette, Medbay. Ah c'est pas l'infirmerie. Ou je sais pas, attendez, on va y aller voir. De toute façon il ne reste plus que ça à faire je crois. Ah c'est ça, d'accord. Oh putain, en plus c'est tout qui prend une année là. Oh, j'aurais dû faire ça en premier en fait. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Ouh. Quelque chose a dit que ça va. Ils sont tous là. Quelqu'un est mort. J'entends vérifier si je suis bien mute quand même. Ça a pas marché la commande. Ah non. Bon les gars, attends, bon. J'étais au calme. J'allais dire les mots bizarres, mais du coup non. Ah, j'allais dire, ah, mais c'est bizarre. Attends, je dis quelque chose. Ah, Mojia. Quoi? Alors je regarde les cams, je vois le rose rentrer, suivi du blanc. Et puis, que vois-je? Le blanc qui ressort, qui voit les cams allumées et qui re-rentre et reporte. Oh mon dieu. Ah. Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. Parce... Ah bonsoir Gartus, il est beau ton skin de licorne. Ouais. Ok, c'était merde, c'est pas ma faute. Hein. Et oui, MTech n'a que le chat. Hein. Gartus, ça fait plaisir de te voir sur le live. J'espère que tu vas très bien de là où tu es. J'ai l'impression de dire ça alors que t'es mort, c'est pas vrai. T'es pas décédé, t'es route ton immeuble, tout va bien. Bref, on les écoute. Hein. Report. C'était vraiment des intéressants s'ils ont dit. Safe Ice, j'étais avec elle, je voulais la vérifier. Oui. Et... Ouais. En gros, tout ensemble à... avec les brigues, sauf à un moment donné, les brigues nous abandonnaient. En gros, sur les cams, j'ai vu qu'il y avait Ice, Jonathan et Exo qui étaient à admin. J'ai vu Lemrig rentrer dans O2. J'ai vu Mojia rentrer dans O2. Et là, elle revient, elle rentre et Lemrig. Bah, ça peut être que Mojia du coup. Mojia, t'étais. Bah, est-ce l'histoire que t'étais... me semble clean. Ça peut être qu'elle, puisqu'on était trois à être dans admin. Et il y avait quelqu'un au cam. Moi, j'ai intérêt à avoir une sacrée défense. Ouh. Okay. Et les cams étaient allumés, je vais me dire bah, je pense que c'est les cams où j'ai vu les trois rentrer. Petite défense. Moi, je peux pas vraiment genre dire. Parce que c'est moi qui reporte le bordel, du coup, ça paraît tout de suite. Genre, oh, c'est elle qui a fait ça, mais je t'en veux. Non, mais le pire, c'est que je l'ai vraiment vu rentrer vivante, quoi. Je crois qu'il y a pas de vent dans O2. Mais pour le coup, bah... Moja, ça peut être que toi, plus ou moins bien. Notre cher paquebot est en train de faire dodo, mais pas pour l'éternité, ne vous inquiétez pas, juste pour cette nuit. Bah, je pense et que... Je suis rentré dans admin, je suis ressorti parce que j'ai vu Jonathan, et du coup, je me suis dit, je vais aller dans l'autre, puisqu'il y avait personne dans l'autre actuellement, enfin, du coup, il y avait l'embrique, du coup, il s'est fait tuer. Moi, je suis désolé, Moja, hein, mais bon, je... Ah putain, si c'est Ruta Vagaz, il se... Mais en vrai, t'aurais mieux fait de... Enfin... Et c'est une end. GG. T'aurais mieux fait de réparer le... Ah bah, GG. GG, let's go les gars. Let's go les gars. Par contre, non, j'ai une question. Est-ce que tu préfères rien dire en face? De quoi? Hein? Est-ce que je suis la seule à laguer et à voir les gens se TP? Non. Ouais, par moment ça m'arrive aussi. Par contre, Rice, ouais. Tout à l'heure, on est allé ensemble à... je sais plus comment ça s'appelle, la réacteur, je crois. Et en fait, j'allais beaucoup plus vite que toi. Mais Miss qui est ici là. Je te voyais te TP. En fait, des fois, je voyais t'arrêter, tu te bloquais dans les murs, et après, je te voyais trois pas en dessous. J'étais en mode. Il y a un problème là. Oui.
C'est pas ma soirée. J'ai vraiment que des calls de merde ce soir. Je vais en électrical, je vois Exo arriver derrière au début, Exo il me fait un peu peur, je me dis mais il était pas déjà en électrical avant celui-là, tu vois. Je vais vérifier, bah à chaque fois je vérifie, je fais des allers-retours. Et après genre, pendant que je fais ma tâche que j'essaye de faire depuis 10 minutes, je vois Missile arriver, je me vois voir, je fais ah la bête. Et là je vois 10 000 personnes arriver en même temps, je fais ok. Je tiens à dire, la vent du début c'est pas moi. C'était vraiment pas moi. C'était pas moi. Ah bah t'as pas eu chance du tout du coup. Non, j'ai que des calls de merde. Ah bah désolé. Par contre, Mogia, tu m'as tué parce que il y avait un bon mètre entre nous avant de me mettre le coup de couteau. Mais ça c'est les lags. Ah, ouais, possible. Il y a les lags et puis même il y a quand même. Ouais, il y a une bonne portée quoi, ça va. Ouais. Mais par contre, tu vois, Mogia, si je peux te donner un conseil sur ce kill là de l'Emrig, ce que t'aurais dû faire, c'est réparer l'O2 et partir en fait. Et ouais, ensuite, ça aurait très bien pu peut-être gagner avec le temps, mais je sais pas combien était le timer. J'ai paniqué, je suis en mode genre, qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je suis à imposteur, je suis en mode genre, ok, je vais faire ça, ça et ça. Et au final, je suis en mode ça marche pas. Mais en vrai, t'as pas de bol, hein, parce que sur les cams quoi. Mais le pire c'est que à chaque fois que moi je vais sur les cams, je vois rien, mais dès que je fais un truc, c'est un connard sur les cams. C'est ce qu'on appelle le karma. Et tiens, et en passant pour le chat de Zadizi qui est un de gentil personnage, je n'ai pas le live, donc si l'autre il m'insulte, je veux pas le savoir. Voilà. Donc voilà. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Yep. Oui. Allez, parti. Zadizi, pas à l'insulter du coup. Ouais, alors il y a une rediff. Hein. Merde, c'est pas grave. Il y a le mieux, c'est bon. Je suis encore crewmate. Chez pour vous. Chez. Bon, alors on va commencer par navigation. Je crois que j'ai des trucs à faire en navigation. Non, c'est pas en navigation. Si. Ah non. Ah non, c'est par là, navigation. Je suis con. Je confonds encore les deux. Je suis débile. J'avais je sais pas qui derrière qui va m'accuser en mode t'as fait des moves chelous au début. Non, j'ai plus rien à faire ici. Electrical encore. Storage. C'est par là, storage, je crois. Hein. Hop. Storage, fuel engine. Ah oui, c'est vrai. Faut remplir ça. Je vais pas partir sans t'avoir vu un poster. Bah ça va, reste. On est bien ici. Exo. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. J'ai Jonathan. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'arrive. Je vais mettre B. Je sors de mettre B. Je re-rentre pour vérifier que Mogia va, tout va bien, et j'ai Jonathan qui prend la vent et le corps de Mogia. Ok, alors déjà, tu viens de perdre le coup parce qu'on était cam, et que l'Emrig nous a vu passer, et qu'on n'est jamais allé mettre bay parce qu'il y était. L'Emrig? J'ai pas compris là. En gros, on était cam, ouais. Je l'ai vu sortir d'une vent, j'ai instant rush pour aller au bouton, on est passé devant toi qui était dans mettre bay, et là il vient de dire qu'on sort de mettre bay. Mais pas du tout, mais pas du alors, tout. Alors qu'on sort pas de mettre bay vu qu'il y était. Ouais, non, j'étais à mettre B, mais ouais. Non, mais c'est MTech, je cherchais pas, il vient d'entrer d'une vente sous mes yeux. Mais pas du tout, putain. J'allais gagner, on a les deux crewmates, ils sont là, regardez-moi ça. Putain. Non, mais attendez, mais pourquoi vous votez, les gars? On a jamais mis un pied à mettre B. Pourquoi vous votez là? Parce que MTech vient d'entrer d'une vente devant moi, et que de toute façon, si on le tue pas maintenant, je vais le tuer autour de la tête pour que j'arrive à entendre. Non, L'Emrig. Moi, je sortais de ma B et je les ai vus passer, mais le truc c'est que. Il a même tenté de fermer la porte pour que tu passes et me tuer. 50-50 aussi. C'est vrai que la porte s'est fermée. Franchement, non, je. La seule chose que j'ai envie de croire, Jonathan. J'ai envie de croire Jonathan. Moi, mais bien sûr, t'es son chrome, t'es son mec. Je vous ai été voir. Il a menti dans la pièce. Je suis remonté. Et là, il y a l'autre qui m'a poursuivi. J'ai pas vu l'Emrig, je savais pas qui était. J'ai foncé sur le bouton. C'est tout ce que j'ai fait. Moi, je peux dire à toi que c'est que Jonathan, tout à l'heure, à la partie d'avant, m'a tué et vous avez pas voté lui. Et là, il fait le même call possible. Non, donc, non, du coup, Jonathan, non, il a l'air de. Mais c'est ça, en fait, Jonathan, il est suspect, mais en même temps. Bon, et les gars, moi, ce que je propose, c'est de viser entre les deux, c'est-à-dire l'Emrig. Non, mais pardon. On peut faire simple. L'Emrig, qui était derrière qui? Pour moi, vous étiez sur l'un sur l'autre. Oh là là, mais les gars, non, parce que je peux vous assurer que c'est MTech et que si jamais vous me tuez, je vais avant de coller. Allez.
Bah, on les garde suspects les deux, quoi. Mais enfin, on les garde en tête. Ah là là, c'est un truc de fou. Bon, ça, Fabulous. Non, Yoti est pas là. Je sais pas ce qu'il devient. Il devait être là, mais bon. il dormira pas jusqu'à ce qu'il le soit. Je vous emmerde. Alors, je dois passer en admin. Ça tombe bien, il y a tout le monde. Ils verront très bien que je fais le truc des cartes, que je suis innocent. Merde. Trop fast. Bad read. Accepted. Merde. Je peux pas me faire comme un idiot. Je vais me faire déglinguer. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis les flèches. Non, c'est bon, ok. Alors, moi je dois aller là. Si j'ai bien compris. Putain, y'a tout le monde dans tous les sens. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. On a Jonathan là. Je vais aller faire un tour au cam, attendez. Y'a Jonathan. Ah, putain, Exo. Lemri Game Tech, Jonathan. Lemri Game Tech, Ice. Ah, y'a Ice qui est là, ok. Jonathan. Rita Vaga tout seul qui vient par là. Jonathan, ok. Il va un peu dans tous les sens. Ah! Et alors... allez, le self-report, allez! Il y en a vraiment qui en veulent enfin, ça! Mais voilà, regardez-moi ça! Là, pour ce qui, je pense pas que ce soit Mister MTech parce que j'étais avec lui sur quasiment toute la fin. Et d'ailleurs, j'ai croisé Exo à la fin, je me suis paré juste là et c'est là où il a reporté le corps. Voilà, merci! Je pense pas que ce soit MTech. On a tracé, on a été. À part, attendez, laissez-moi finir. Tout au début de la game. Mais oh, je suis désolé. Déjà, il est où le cadavre en fait? Et je peux parler ou. Je suis descendu de deux avec Lemric. Si vous voulez me buter, il aurait pu le faire 50 000 fois. Je descends, on passe de commande en communication, on passe devant pour aller storage. J'ai Exo qui passe devant moi, je descends voir là où on fait la quête pour sortir les derniers déchets. Et je vois qui? Je vois le corps de Mojo au sol. Voilà. Ah, donc t'as pas trouvé Missy là? Ou l'inverse, enfin un des deux corps là, j'ai juste appuyé sur le Missy là, c'était avant. Missy là, elle était premier tour, non? Ouais. Non, c'était Mojo ouais. Au premier tour. Mojo, ok. Donc Missy là, j'ai trouvé le corps au sol là maintenant. Non, parce que je l'ai vu aller vers la tasque justement, celle que tu dis, et il y a genre 5 secondes donc. Bah ouais, parce que tu l'as tué. Ah, c'est toi, c'est moi que tu vises, c'est ça? Ah bah oui, c'est toi qui sors de ce truc. Il était où le cadavre? Il était sur la tasque de... Electrical? Non, en bas, dans storage. Vous trouvez pas storage sur la troisième? Tout en bas de storage, oui, là où on était. Ah oui, et nous, on sortait de communication avec l'Emrig et il est remonté. Moi, je venais de la droite, je suis passé. En fait, je faisais la même tâche. J'ai mis Scylla a pris ma place, je suis parti en haut, j'ai vu l'Emrig. Genre 5 secondes, hein, donc... Ouais, c'est juste à la fin, on s'est croisés. Du coup, je pense que MTK a pas fait ce kill là, mais si on l'élimine, on est tranquille. Et Exo, là tu. Mais regardez-moi ça! C'est la troisième personne qui l'accuse. Mais c'est il a accusé truc. Moi, l'Embrig, et maintenant il t'accuse toi. Ouais, mais en fait, je sais moi, pas je si j'ai vu, j'ai croisé d'autres personnes là, du coup. Ce qui est Exo, t'es venu de la gauche, tu dis. C'était Zadis. Non, je venais de la droite, ensuite tu allais la même tâche. Tu venais de la droite, tu venais de la droite, et donc, Jonathan, t'étais où toi? Oui, moi, justement, qui était au cam? Moi. Non, toi, t'étais où? Attends, mais justement, Exo, tu vois de la droite de Storage tout le temps, parce que je passais mon temps à te fouiller. Je te cherchais. Bah, j'étais vers. Oui, si ah oui, tu cherchais quoi? Navigation. Oh, les gars, le moment où tu. Il faut skipper. Bon, on skip. Oui, on skip. Mais. Mais Exo, tu venais de la droite avec MTech, donc on aurait dû se croiser, non? T'étais à communication. De quoi? Attends, je suis en train de m'embrouiller. Pour une fois que je vote, je suis le seul à voter, c'est pas le même. Bon, c'est un bordel, je comprends rien. Je comprends pas qui est le gentil, le méchant. Moi, je veux juste faire mes tâches, laissez-moi faire mes tâches tranquille. J'ai rien fait! J'ai fait qu'une tâche depuis le début! Jonathan, me touche pas. Ah bah c'est bon. Hop. Cafétéria, faut que j'aille à la cafétéria. En plus je fais pas gaffe à qui je croise, c'est horrible. Ouais, je suis nul, lol. Salut, c'est moi, j'ai appelé. Ruta, je trouve que t'as pris du temps à oxygène. Et en plus, les portes elles se sont fermées juste derrière toi après...
dans Weapon. Du coup, je trouve ça bizarre. Voilà, du coup, je me dis peut-être que c'est parce que tu voulais vent. Alors, ouais. Moi, juste, j'ai fait un call pour ça. Du coup, vraiment, je vais fermer les portes pour vent. Je sais pas, mais les portes, elles sont fermées, en tout cas, juste derrière toi, donc... Ok. Bah, du coup, juste... t'as gâché un call. Ouais, c'est... Bah, c'est pas grave. Exo, je peux revenir sur avant, juste avant. Juste avant, t'as dit que tu venais vers la droite. Non, je sais plus. Droite de store. Je suis désolé, je sais plus. Tu sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait, mais... En fait, je sais plus vers où exactement je vais... Non, mais parce qu'en fait, on venait de la droite avec MTech, et donc du coup, je me dis... Si tu venais de la droite, plus. On aurait forcément... Non, je dois pas venir de la droite. En fait, j'ai fait 100 000 tâches, puisqu'il m'en reste une. Et je sais plus de où je viens. Ensuite, je suis allé... Tout ce que je sais, c'est que je suis allé faire la tâche en bas de storage. Et qu'ensuite, je suis remonté et j'ai vu... J'étais vu, quoi, donc... Ok. Les mecs, je sais que ça va pas en ma faveur, mais... Je tiens juste à vous dire que MTech m'a poursuivi, voilà. Tout ça, je t'ai poursuivi. Mais quand je t'ai vu au 2, j'ai fait demi-tour, et donc et juste avant qu'à fait, tu m'as poursuivi, après t'as fait demi-tour. Ouais, quand alors, il y a les deux pour faire le 2, et j'allais courir pour aller dans l'autre, enfin j'allais dans admin pour faire le truc de O2, et j'allais remonter vers O2. Sauf que t'es sorti de l'admin. Mais pour aller faire la deuxième tâche. Non, tu venais pour me fumer, mais ça peut être que toi, MTech, je vois pas qui ça pourrait être d'autre sur le kill de missile, en fait. Bah toi. Moi, mais en fait, on s'est croisés quand je suis juste remonté de faire la tâche, donc... Bah oui, parce c'est improbable qu'il y ait quelqu'un d'autre qui monté. L'Emeric t'as vu, moi aussi je t'ai vu, y'a personne qui me croit, on a Jonathan et Emeric. Je vais ruiner ta vie. Jonathan et Exo, on a les apporteurs et y'a personne. Enfin, je sais pas. Je ne te laisserai pas partir, tu ne t'en fichiras pas. Donc c'est pas Jonathan non plus puisque tu l'accuses, donc déjà ça c'est bon. Merci Exo. Il nous reste le deuxième après lui. Derrière toi, t'étais tout seul. J'en sais rien, moi. Ok, ça. Bon. Ouais, donc, j'ai une énorme méfiance sur Zadizik qui m'a voté. Après, voilà. Mais par contre, pour répondre à ta question, j'ai mis du temps parce que je me suis trompé sur le code à la fin. Alors, ça faisait 82 497, j'ai mis 80 499. J'allais dire, on n'a pas le même code, mais c'est logique. Voilà. Mais, et puis ensuite, je suis allé faire le download là-haut et puis il y a les portes qui sont fermées juste derrière toi. Mais pour info, moi j'ai du mal avec la carte aussi, donc m'en voulez pas s'il vous plaît. C'est pour moi c'est MTech, hein. Il faut trop le deuxième. Donc Jonathan Exo, c'est génialissime. Allez, bien joué. Alors, je vais me faire buter, je crois. Je suis nul. Alors. Donc, on va fixer les câbles. Comme je dois le faire depuis une année. Merde, putain. Oh putain, y'a plus de lumière en plus. C'est où les lumières? C'est là? Non, ça c'est la medbay. Merde. J'ai rien à faire en medbay. Oh, je vais me faire déglinguer les gens. Je crois que mon destin c'est juste de me faire buter ou de me faire laisser en vie par les gens. C'est l'Emrig, voilà. Bon, bah, c'est Exo. Allez, bonne journée. C'est l'Emrig. Alors, je pense que je vais plus croire Exo parce que je viens littéralement de le croiser à l'instant et il y avait genre. Tu l'as pas vu tuer du coup? Hein? Moi j'ai. Parce que c'était juste en dessous. Hein. Bah, moi je venais d'au-dessus en fait. Je venais d'au-dessus moi. Je te voyais faire ta tâche, je suis descendu, j'ai vu le corps tomber. Il a même report avant moi. Bien joué, l'Emrig. Bien joué. Parce que du coup, moi je viens d'au-dessus, je sais que Exo était déjà dans le coin là, mais il venait pas d'en dessous. Exactement. Et moi je venais d'en bas et il y avait le cadavre en fait au pied de Exo au moment où j'arrive. Oui. Je venais des lights et c'est moi qui ai remis les lights. J'aurais tendance à croire à Exo, mais après, comme pour le moment je suis nul et que j'ai fait coder les rares en fait que j'ai fait, pour le moment ils sont tous morts. Oui, de toute façon, au pire, voilà. On a le temps de faire et il reste... Si on en tue un et que c'est le mauvais, mais il reste 4 personnes, on peut rebuzzer. Vu comment il y a eu le duel entre Exo et MTech, pour moi, l'Emeric, tu sors. Oui. Puis ça explique pourquoi, au tout début, tu l'as pas totalement enfoncé dans le débat qu'on a eu. Bah, au tout début, vous étiez tous les deux collés et j'ai... Ouais, c'est... en fait, je sortais de mes DP et c'est tout, quoi. Je peux pas voter, les gars. Si vous voulez plus de précision, on peut. Je pense que Ruta, là, ton vote est pas décisif du tout. Hein. Je peux pas voter. Ouais, il a crash. Bon, on va atteindre ça, mais c'est pas grave. Genre, ça bug sur l'écran d'affichage en fait. Ok.
Du coup, on peut parler. Comment ça va vos vies? Bon, sinon, c'est bonne soirée. Ça va. Tranquille. Tranquille, on devrait la gagner celle-là, donc tranquille. Ça dépend pour qui tu parles. T'as des années de débat, ça me va. En vrai, pour moi, ce serait l'Emeric parce qu'il a pas la même habitude que les mêmes attitudes que d'habitude. Comment ça? Moi? Voilà. Je sais pas. Parce que comment ça te connaît bien l'Emeric, du coup, bah genre t'as pas la même attitude que d'habitude. Mais j'ai même pas quitté, mec. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Quel bâtard. Les gars, vous savez, c'est quel bouton juste pour report, c'est R ou E? Ah, je sais pas, je dis. Personne sait. Aucune idée. Je crois que c'est E, hein. Moi j'avais j'utilise la souris. Je sais qu'il y en a, il y a un, c'est un des deux, mais je sais plus. J'utilise mes doigts personnellement. C'est vrai. Voilà. Ah sinon ça va vous? Tranquille, ça va. Ça va le chat, ça va le chat. Moi j'ai fini mes tasks si jamais. Ouais, moi j'ai fini mes tâches. Quoi? Moi? Qu'est-ce qu'il y a avec l'Emeric? Mais les gars, sérieux là? Bon, mais bonne chance, les gars, franchement. Oh là là! C'est win, c'est win. L'Emeric, vraiment, je t'ai vu. T'es non, mais j'ai pas voté pour rien, j'ai pas voté pour rien. Je t'ai vu te défier sur moi, et je suis morte après. J'ai fait la pire game possible. Il doit me détester, mais c'est pas possible. Non, mais alors, c'est aussi mauvais que ça. Je vous jure, j'ai bête et je vois l'autre compte, je suis arrivé dans sécurité. Je panique, j'arrive pas à fermer les portes et l'autre. Je fais bon, j'ai plus qu'un brain, j'arrive à tuer. Putain, c'était. Putain, c'est pas compliqué. Attendez, je vais te dire un truc. Tu commences à gueuler sur les gens et tu t'énerves beaucoup trop vite. Mais non, non, là, fallait, ouais, non, alors, contre, là, fallait que je joue, le mec que vous me croyez pas, parce que sinon c'était pas. Si j'ai risqué alors. Non, mais je l'ai vu vent, vous savez. Vite fait, je vais faire une petite pause de quelques minutes sur le live, je reviens dans quelques minutes, hein, lancez pas en attendant. Oh, mais putain, mais vous m'entendez. Voilà, on va faire une petite pause, hein, voilà, sur 2 heures de live, c'est bien de faire une petite pause de temps à autre pour boire un coup, aller aux toilettes, parce que. Boire, c'est la base quand t'es vivant, et pisser aussi, surtout pisser. Allez, on se retrouve juste après la pause, pour une fois j'évite de couper le live en même temps, à tout de suite. Désolé si la musique est trop forte, je suis une merde, voilà. Alors, fin de la pause. Regardez comment ils m'ont abandonné ces bâtards, je reviens, je vois ça. Je voulais faire un truc en mode, oui, regardez, y'a personne qui bouge, bah non. Ils ont tous leave la game, bah tiens, pour la peine je les rejoins même pas. Alors, hop. Let's go les gars, dit Lemri. Alors, je vous rejoins en vocal, hein, juste le temps de. Voilà. Et merci à Twemlo pour le putain de follow, comme c'est marqué sur mon truc. Et bonsoir Twemlo, par la même occasion. Voilà. Alors, on va démute les autres. J'ai pas compris. Et fin de la pause, et bonsoir, et vous m'avez tous abandonné. Attends, merci. On a changé de map. De rien. C'est cadeau. On a changé de map, on va sur la une qui est un peu plus différente. C'est laquelle? La Pollux. Pollux, c'est sur la planète. C'est celle avec la plante tout en haut? Ah non, Pollux. Non, c'est celle avec. Avec Où t'as des chemins dehors, j'ai bien une mise à jour à faire sur mon gosse, non? T'es l'arbre à gauche. Ouais, c'est ça, l'Emrig, Streamhack. Ouais, par contre, ne vous inquiétez pas, moi je vérifie qui est dans le chat. Alors, il y a Gartios, il y a un Tonix là. On a Tonix. Ouais, non, Frambreuse. Moi je pense que Jonathan il streamac. C'est pas possible là. Utiliser un second compte, on a Fabulous aussi. Moi je suis assez d'accord niveau streamac. Moi je me suis. Au moment où je me suis rendu compte que je pouvais streamac, j'ai éteint un stream. Ouais. Non, mais... ouais. Mais moi le d'abord chat, à vérifier si Zadizi qu'il est innocent et après ouais allez on et après Mojia, excuse-moi mais tu es T1 sur la partie d'avant, j'étais obligé de te tuer aussi hein. Et quitte à me faire avoir, m'en fous. Non mais le pire c'est que j'ai encore de la chance que je me suis pas fait choper au tout premier tour parce que franchement c'était tellement de la merde ce que j'ai fait. J'ai paniqué, genre en mode je vais faire un truc de gros bâtard. Y a ma copine qui est là en train de qui elle assure mes erreurs et tout, la pauvre elle se prend toujours la face et moi je suis en mode genre pardon. Désolé. Ma on chère amie imposteur. Comment ça? On t'attend là. Mais non, je suis là. Non, il manque. C'est Exo. Non, il manque. Que Rose, tu me vois pas? Mais j'ai non, je te vois pas, mec. Sérieux? Mais je te vois pas. Bah, Exo, est-ce que t'es vivant? Déco reco parce que je pense que c'est un bug.
Ah ouais, il y a 7. Je vois 7 personnes. Ah, il arrive, il arrive. Oui, Tabaga vient de quitter aussi. Ouais, c'est normal. Il me voyait pas. Oui, parce qu'il voyait pas, tout le monde. Les gens peuvent arrêter de vent sous mes yeux. De quoi? Bah tant mieux pour toi, non? Deux games, je vois deux vent. Ouais, trois, non, du coup, mais... parce que... Ouais, non. Mais ça, c'était... Ah, c'est bon, je vois les mains. Mon pote. J'étais obligé, je pouvais pas la jouer. Ton pote à la compote? Oui, non, clairement, t'as joué comme il fallait, c'est sûr. Après, t'as de la chance que ce soit l'Emerick Medbay, parce que bon... Ouais, N'importe qui d'autre, t'es fini, hein, parce que ton argumentation sur Medbay, c'est terminé. Bah non, bon, ça passait, en vrai. Si ouais, mais tu vois, si quelqu'un d'autre qui sortait de Medbay... En vrai, s'il n'y avait pas l'Emerick, ça aurait été 50-50, et tant pis, tu vois. Bah pas forcément, parce que s'il y avait quelqu'un d'autre qui sortait de Medbay, il aurait peut-être pu accentuer mon témoignage. Ah, ouais, à partir du moment qu'il y avait quelqu'un d'autre, c'est surtout que s'il y avait quelqu'un de Medbay, ils auraient trouvé le corps, en fait. Oui, en plus, ils auraient arrêté la poursuite, et puis voilà, quoi. Ouais, par contre, ouais. Premier tour, il y avait deux ventes contre Jonathan, et j'ai pas voté contre Jonathan, donc il y avait quelqu'un qui te... il te... Bah, l'Emerick. Mais c'est moi qui ai suivi Jonathan. Ah, ok. Non, qui était contre moi. Non, qui a voté contre son. Ah, Exo est là. Moi j'ai voté M-Tech. Ah, je pense qu'on va pouvoir y aller. C'est bon, les gars. Yes. La voix de la Allez. Ah, j'ai bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Voilà, bonne nuit. On va éviter de faire cette blague un milliard de fois. Allez. Donc, alors, les autres maps, je les connais très peu. Donc, je vais être beaucoup perdu au début. Hein. Oh non. Je crois que Kotabaga a eu un problème. Ouais. Hein. Oui. C'est mon pote. Bon bah, vas-y. De quoi? On a failli me perdre aussi. Hein. J'ai eu un écran noir pendant longtemps. Ouais, moi aussi. Arrête, on la lance pas, c'est bon. On est d'accord. On relance ouais. Bah oui, on l'attend. Alors, juste pour info, hein. Missy là, coucou. Allez. Je l'ai tué Zadizik, il était juste en face de moi. Allez, quitté. C'est la meilleure partie, franchement. Oh, franchement, elle était pas mal. Bien joué, bien joué, les gars. Bien, ouais. C'est quoi le code? Votez. Polypé. C'est quoi le code? Polypé. Je tiens à dire à mon chat que je suis un homme innocent, constamment innocent. Parce que mon chat, en fait, ne veut pas que je coupe le live tant que je suis pas. Non, prenez pas le code, il est pas bon. Prenez pas le code. Ah, ok. D'accord. Trop tard. Je viens de me faire complètement virer du jeu en fait. What? Je viens de m'expliquer que j'étais un multiplayer et que bah fallait pas. Donc j'ai redémarré le jeu. Ok. Voilà. Pendant qu'on écoute cette magnifique musique du menu absolument perturbante. Elle est hyper angoissante hein, la musique du menu. Hein. Pour des petits bonhommes tout mignons qui se tuent entre eux, c'est vachement glauque. Tiens, vous faites comme nous, vous mettez pas la musique. Ah mais la musique c'est trop bien. Ah non elle est bien la musique, moi j'aime bien, hein. Malgré qu'elle me fait flipper et qu'elle me fait chier dans mon proc, tu vois. Let's go les gars. Tu ne mangeras pas, tu ne dormiras pas, tu n'iras plus au WC tant que tu n'es pas imposteur, t'as l'état sentence. Ouais mais je fais ce que je veux en fait, c'est pas toi qui décide. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Ouais mais c'est pas toi qui décide en fait. Tout à fait ça, DM. La musique me fait flipper quand même, c'est bon, bande de mauviettes là. Le M-word. T'es pas très gentil. T'es pas très gentil. Vous m'avez déjà vu gentil avec des gens, honnêtement. Oui, on t'a déjà vu gentil, oui. Putain. Bah oubliez ça, c'était un mauvais souvenir. Exo, non il est là, Jonathan. C'est Jonathan, voilà. C'est bon, y'a tout le monde. Allez les gars. Bonne nuit. Let's go. Le village s'endort. Le village s'endort, enfin... L'équipage s'endort. Ah, j'ai un écran noir. Attendez, c'est mon câble HDMI qui foire. Voilà. L'équipage s'endort. Le petit Zadizik s'en partit faire les tâches pour lesquelles il était attribué. Alors, hop, je dois faire un truc là-bas. Le petit Zadizik alors se mit en route sur une map qu'il ne connaît pas, tout en devant essayer de buter les gens. Et il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Alors, je sais qu'il y a une tâche à peu près là. C'est quoi? Swipe card, ok, c'est bon. Ensuite, specimen room. Specimen room, c'est par là. Nanana.
Specimen Wound, Star Artifacts. Clac, 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 je fais semblant de faire ma tâche. Tout va bien. Oh merde! Alors, M-Tech, tu m'expliques ce qui vient de se passer quand même? Alors, je suis Exo, il m'a vu passer, il avait vu descendre, et t'as Zadizik, et je vois le, au niveau tout en bas à droite de la map que je connais pas, et je vois Zadizik qui tue quelqu'un, et t'as le corps qui est justement en train de tomber à ses pieds. Bah, voilà, moi, je viens d'en haut, je cherche la salle, je sais déjà même plus comment elle s'appelle, où il faut descendre par le sas, donc je descends par le sas d'en haut, j'arrive, je vois M-Tech, je vois un corps, je vois qui reporte. Non, mais honnêtement, déjà que je sais pas jouer, j'aurais si j'étais au début, ça. Exo, j'aurais pu le killer 50 fois quand je suis passé à côté, il aurait pu me buter également. Je suis descendu par comme ça, ça fait un alibi. Forcément, je descends. T'es vu descendre de toute façon. Je l'ai vu descendre, je suis arrivé au truc des pierres, j'ai vu le corps s'effondrer à tes pieds, Zadizik, cherche pas. Non, ouais, bon. Mais il y a un autre indice aussi. Zadizik, sur la tête. Ouais. Zadizik, est-ce que après cette game, tu pourrais arrêter ton live? Il pourra, ouais. Je vois pas pourquoi. Ah, c'est un 50-50 en tout cas, mais bon. Mais ouais, c'était mais bien ouais. Tenté. J'avoue, si je serais pas arrivé, t'aurais pu le compléter. Alors moi, j'étais juste en train de découvrir la map parce que c'est la première fois que je joue dessus et je suis complètement. Je comprends absolument pas pourquoi il y a autant de votes qu'on va. Arrêtez de faire confiance aux gens, mais putain, allez niquer vos races. Ah, je pense. Alors, vos gueules. Il savait que je suis nul, pourquoi il faut qu'au moment où on change de map. Je teste les sabotages, hein. Je connais pas trop encore. Alors, ah oui, c'est vrai que c'est Mogia l'autre. Je sais pas où elle est. Je retourne me coucher, ouais, c'est ça. Tout ça pense. C'est là, Jonathan. Je pourrais les coincer un petit peu là, non? Ah. Ouais, alors, Mogia. Putain, la porte elle s'est refermée devant moi, j'en ai marre. Je suis désolé de ruiner cette game. Cette partie elle est incroyable. L'autre, la première map, s'il vous plaît, la seconde, je la connais pas, les portes elles ferment tout le temps. Toujours bien, mais d'ailleurs, bonsoir, Evan. Donc, je rentre, donc, pour vous faire la couverture. J'essaie même pas de me défendre. Je viens des caméras et venant de Missila, on s'est croisés, je passe devant Fixlight, je continue tout droit, je vais au télescope et je vois, je sais pas, il y avait un truc à faire dans le coin là-bas, je sais pas, il y avait un truc cassé je crois, et je vais pour le faire, ou c'est une de mes quatre, je sais plus, et je vais pour le faire, j'ouvre le sanitaire et là je vois Mogia en train d'essayer de partir et le corps de Exo derrière. Dans le truc de série de Mogia, le pire c'est que je me suis dit je vais me bouger, tu vois, le cul, je me bouge le cul, la porte, de changer la qualité, ferme devant moi, je suis en mode putain merde, ouvre-toi. Après bah, c'est vrai que si la couille est pas et ouf, puis je sors et puis je vois l'autre con et là je suis putain de merde, je suis connard. Oh Dieu, c'est votre ton. Vas-y, fais ton vote. Le live a l'air de fonctionner correctement. Ah ouais. Oh, mais cette map elle est horrible. Ah, je suis désolé, j'ai ruiné tout ce que tous vos espoirs. Moi, je gagne vote. Ah oui, merde, pardon, je vote contre moi. Moi, j'aime bien comme on meurt. J'aime bien que Fagas soit le premier qui soit mort. Cette partie. C'est pas très gentil. Et c'est GG. Il faut que sur la seule map que je connais pas, faut que je sois imposteur dès le début, quoi. Du coup, ça dit, je propose que t'arrêtes ton live là. Non, mais sérieux, en plus, j'arrive, je suis dans le truc vraiment où il faut une année pour rejoindre le truc. Je crois sur le tabaga tout seul, je me dis, allez, je tente, et je vois MTK arriver derrière, je me dis, je m'enfuis et je me prends un mur. Comme je me prends toujours 10 000 murs dans tous les jeux, vous me connaissez, et ben voilà. Et que... Je vais te donner un conseil, Zadizik. Faut jamais kill là-bas. Bah, en fait, je me suis dit, c'est pas ouf de kill parce que si je croise quelqu'un, et après, je me suis dit, Nick, je suis un connard. Non, juste, quelqu'un peut me raconter.
quelqu'un peut me redonner le code? J'ai quitté la salle sans faire exprès. Regarde dans le chat. Attends, je te le. Non, je l'épingle. J'ai épinglé le code. Hop, j'enlève les anciens. Ice Rose, quand? Oui. Quand il y a eu les communications, on est d'accord que t'es arrivé sur le truc, t'as one shot le truc? Attends, j'ai à peine ouvert, ça s'était réglé. J'ai pas compris. Ok. Moi, je pensais que c'était toi qui les avais réglés, du coup, et que tu t'étais TP. J'ai même pas ouvert le truc. J'ai ouvert comme, ça s'est réparé tout seul. J'ai pas compris. Putain, je me rappelle plus que j'avais croisé MTech juste avant de descendre dans le sas en dessous, putain, connard. Mais si, en plus, ah oui, en plus, toi, t'étais. On s'est croisé juste avant. On s'est croisé, et je fais. Ah, il va pouvoir me kill s'il a envie, tu vois. Et je te vois te barrer, je fais ok, cool, je croise Exo, je descends. Je dis, mais il est où Zad? Allez, vous êtes belle game. Bon, ah bah. Cette fois, du coup, c'est bon, j'étais imposteur. Le chat, maintenant, restez tranquille. Moi, j'ai le plus petit dôme depuis qu'elle a raté. Allez, c'est parti. Non, bonne nuit. Voilà. Le village s'endort. Très belle game. Très belle game. Le village s'endort, on ferme sa gueule. Enfin. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous déteste. Et là, il y a génocide. Ok, je pars en premier. Ok. Non mais je vous jure. Sérieusement. Non mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Je me barre. C'est Rui Tabaga, les gars. C'est Rui Tabaga. Quoi? C'est toi, Rui Tabaga, je t'ai vu. Mais t'es con ou quoi? Honnêtement, il s'est passé quoi? Qu'il reporte. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. En plus, j'avais des doutes sur Missy là, mais. Bah, du coup, mais comment tu peux avoir des doutes? Ça fait genre 3 ans. Elle est partie, elle a pas fait les clés au début. Ouais, mais après, elle connaît mais pas. Mais sinon, c'est pas compliqué. Elle était où ta clé, Rutin? Mais t'es con quoi. Bon, en vrai, il y a 3 personnes qui sont parties un peu plus tôt. C'est qui? C'est moi. Il y a toi. Il y a une autre personne qui est partie. Mais arrête, c'est ça. Moi, je suis parti assez vite. Parce on peut, j'ai fait on une peut éliminer des gens des suspects. Il y a genre. En fait, les clés, genre, ça a été fait rapidement. Et il y a 3 personnes, moi, Ice Rose, et une autre personne qui s'est partie du stack, en fait, avant que ça quitte. En fait, moi, je suis resté AFK en faisant croire que ça chargeait pour voir qui ne faisait pas les clés. Okay. Et du coup, mais sinon, c'est pas compliqué. Pour savoir qui est-ce qui est imposteur. Juste dites où était l'emplacement de vos clés et on voit si ça correspond. C'est différent en plus, je crois. En plus, ils sont aléatoires toutes les tâches, hein, juste comme ça. Ouais. Non, les clés, on a tous une clé différente. Bon, à mon avis. Bah oui, du coup. Du coup, Inno, en train de fouiller dans mes affaires. Pardon, excusez-moi, il y a mon chat qui. Non, mais voilà, on fait pas les tasks, sinon c'est trop tuté. Ouais. À mon avis, c'est pas Zadizik. Parce que Zadizik, il est. Il est nul. Trop nul. Donc, je pense pas que. Il est trop calme. N'importe qui peut faire cette action-là parce que déjà, il peut soit y avoir un misclick, soit juste un coup bien joué. Mais les deux sont possibles. Donc, mais elle est morte où, Missy, là, en fait? Elle est morte au niveau des clés, tout comme. En fait, au-dessus, il y a ce qu'on appelle une task où, en gros, t'avais tout le monde s'il l'a au début. Et c'est en gros faire tourner une clé. Et t'as tout le monde stacké l'un sur l'autre et slash. Voilà. En vrai. Ouais, non, je vais pas dire. Mais on est bien d'accord, il y a mes clés et puis j'étais sur l'écran des tasks au moment où il y a eu le report. Ça pourrait être très intelligent pour les gens qui savent bien jouer quoi. C'est pour ça que Rita est un peu. Putain, Jonathan. Moi j'étais encore dans les clés. Non, mais moi, de toute façon, on skip, on n'a pas de droit à bouffer. Oui, on skip. Il n'y a rien à faire. En fait, on aurait pu peut-être innocenter genre ceux qui commençaient à partir, tu vois. Tout le monde peut dire qu'il partait. Non, on était trois à être partis avant. Le santé missile avait pris relou. J'ai eu un moment d'absence, excusez-moi, j'écoutais plus rien, j'étais en mode. Bon, je sens que cette partie va être compliquée. Déjà, le temps que je comprenne ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fout là? Ok, alors, Specimen Room. Ok, donc je sais que la Specimen Room, c'est par là. Par contre, il n'y a plus de lumière, ça c'est pas ouf. Normalement, il n'y a personne derrière moi. Je suis tout seul. Et download data, c'est là. Ah, les fameux téléchargements, on connaît. Alors, faut que j'aille où ensuite? Ok, on va repasser par admin.
Ok, alors là. Ok. Ah Ruta, attendez, stop. Ruta, on a vu la même chose, on est d'accord? Oui, c'est pour ça que je rigole. Ouais, MTech, c'est pour ça que tu fais 20 ans. Attendez, respirez à beaucoup, respirez, et racontez ce qui s'est passé. En gros, on fait le réacteur droit avec Ice Rose, il y a MTech qui nous rejoint sur le truc. On repart, il y avait qui était sur la node? C'était Exo, je crois. Moi. Non. Voilà, et du coup, on part, non, et il y a une vente genre juste à côté de l'entrée du labo, et là, MT. Et il y a MT qui la prend. Du coup, moi, je mais du coup, je pense que je l'attends. MT, quelque chose à dire. Je vais même pas me défendre, il y avait pas. J'ai juste sacrément mes clics maras. Votez-moi. Sinon, je l'attends ton histoire. T'as retrouvé les mecs où? Moi, j'étais avec Exo Cam. Il y a eu le call l'alerte. Je suis allé réparer le gauche. Exo m'a vu partir. Donc, en vrai, il peut me sacrer là-dessus. Je suis allé à droite, ouais. Ouais, je t'ai vu partir à gauche. Voilà. Ensuite, je suis redescendu. Ouais, voilà. Et là, il y avait le corps de l'Emeric littéralement au-dessus de l'électricole. Ok. Donc, il a sûrement kill, puis vent dans le truc à côté des cams. Ok. D'autres indices sur quelqu'un d'autre, du coup? Zadizik, t'es où? Alors, moi, je viens de remonter. Je viens de remonter, en fait, du truc, tu sais, où il faut passer les sas, en fait. J'ai passé le truc admin pour aller dans le truc où il faut relever la température. J'étais en train de le faire quand il y a eu les trucs qui. Enfin, quand il y a eu le dead body qui a été report. Je sais que quelqu'un était en train de me rejoindre à ce moment-là. J'ai vu quelqu'un arriver sur l'écran, mais j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. C'est moi. Alors, juste à dire que, du coup, actuellement, on a deux groupes plutôt safe. Donc, Zadi est potentiellement plus suspect actuellement. Mais potentiellement, précis. Donc, méfiance. Non, mais en fait, pour moi, le... Attends, tu l'as trouvé où, le corps? Littéralement au-dessus du tricole. Bah, du coup, en fait, pour moi, c'est MTech et Jonathan, parce que du coup, MTech, il est imposteur. Ice et Exo, ils étaient avec nous. Je l'ai vu partir à droite. Et Zadi dit qu'il était en bas. Et en fait, il n'y avait que toi en haut à gauche. Mais justement, je pense qu'il y avait une personne qui était avec lui et qui est venu vers nous après. J'étais suspect. Je pense pas que ce soit MTech qui l'ait fait pour le coup. Il était loin. Non, c'est pas MTech. Non, je pense que c'est justement Jonathan. Et voilà. Ok, je vois. Mais du coup, pour le coup, non, vraiment pas. Non, mais t'inquiète, hein. C'est une petite pastille, tu sais. J'ai l'habitude de mettre des pastilles. Il y a acteur qui n'a pas voté. On attend MTech en fait. Pas eux, putain, je suis débile. Oui. C'est pas grave, ça arrive. Moi, j'étais fixe. Bon, problème tech, c'est bien de dire que, hein, elle c'est pas encore morte, elle est coupable. Mais ça peut être un argument, mais je vais le garder pour la suite si elle est pas encore morte. Bon, je dois aller dehors. Il y a Exo qui me suit, ça c'est pas ouf. Il fait peur Exo. Exo, il fait peur. Ah putain, ça a été saboté, je sais pas ce que je dois faire du coup. Secours. Alors, faut faire quoi là? Ah d'accord. Ah c'est dur! Ah non, c'est bon. Hello? Oui. Oui, allô? Ouais. Ouais. Hello. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est Guillaume? Bah, en fait, j'aimerais savoir pourquoi, quand je suis allé avec toi, t'as eu l'air de vouloir me tuer. Bah, en fait, non, j'ai eu peur que c'est toi qui venais me tuer. Moi, je vais aller vers la tâche que j'étais en train de faire, c'est-à-dire relever la température dans la main, et je te vois me suivre, et repartir, et revenir. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce qu'il me veut, tu vois? Il revenait vers moi en mode, bon, bah, je vais le kill celui-là. Attends, non, j'étais. Oui? Allô? Tu l'avais pas déjà fait la task de. Non, j'étais en train de la faire en fait au moment où le dead body a été report. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, le dead body, parce qu'en fait j'ai aucun vocabulaire. C'est comme j'ai dit, pendant que je faisais la tâche, j'ai vu quelqu'un arriver, c'est là que ça a été report. Du coup, j'ai été refaire cette tâche là. Puis après, comme les trucs étaient coupés, là je savais pas trop quoi faire. Du coup, comme il y avait des flèches qui me disaient vers où aller pour les trucs que j'avais déjà commencé avant, j'ai été vers le truc où ils formaient des espèces de graphiques là bien. Et je venais de finir. Non, en fait, justement, après le coup que je me suis pris avant, je préfère. C'est
Zad, le dernier truc là où on était ensemble, c'était les coms, c'était justement le truc qu'il fallait réparer. Ah d'accord, ok. Mais j'étais en train de galérer dessus parce que je comprenais pas qu'en fait il suffisait de lâcher vers le... Comme il y avait 40 mois et... Non, une jolie ronde sinusoïdale, voilà. Ah, qui soit pas en bordel, mais je vais faire le même schéma qu'à gauche. Qui est mort du coup là, en plus? Personne. Ouais. Par contre, mon chat me dit Ice qui est pas mort au bout de 10 secondes, c'est... Attendez, t'as dit quoi, Jonathan? Du coup, là, j'ai bien compris, c'est Zadie qui avait peur d'Exo et Exo qui avait peur de Zadie. Ouais, moi, j'ai cru qu'il venait pas moi. Moi, j'ai cru que c'est lui qui me voulait du mal. Juste, petite question, Ruta, t'étais où? J'étais l'espèce humaine ronde. Ok. Non, parce que t'es le seul qui était pas. Jonathan, j'ai quoi au gauche, toi? Bah, il y a pas de kill de toute façon. J'ai fait l'arbre et après, je vous ai rejoint pour com. De toute façon, Jonathan, il y a pas de kill. Pour sortir, Jonathan. Pour sortir de quoi? De l'emergency room, juste après l'appel. Bah en bas, juste en bas à gauche. Je t'ai pas vu. Bah j'ai rush dès le début donc. Oui, j'étais peut-être trop lente mais je t'ai pas vu. Pardon, j'ai pas voté. C'est suspect. Voilà, alors, il se passe des trucs bizarres, j'ai l'impression que Exo est très louche. Donc on va faire attention. Ruta me fait pas trop peur pour le moment. Alors attendez, je vais essayer de voir la suite. Faut que j'aille comme c'est là-haut, ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah putain, en fait c'est juste ça, ok. Voilà. On respire. Et on attend la suite. C'est quoi la suite? Ok, c'est juste à côté. Hop. Exo me fait un peu peur. Ok. Ice fait l'innocente. Ah putain, faut que je retourne là-haut. C'est quoi le truc qu'il faut faire? C'est là-haut. Je sais pas si c'est ça qu'il faut réparer. Attendez. Oh putain, je suis une merde. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ok. Putain, mais Ice, j'ai l'impression soit elle me suit, soit on a les mêmes tâches, mais. C'est quoi? Ah, d'accord. Hop. Et j'ai plus qu'un truc à faire en décontamination, et c'est bon. Moi, j'ai l'impression que Ice est safe. Bah ouais, on va suivre. Hein. Attendez. Exo est tout seul. On va voir s'il n'y a pas des gens qui sont mourus quelque part. Rutabaga est tout seul, ok. Ok, Exo. Ça fait longtemps. Il n'y a personne qui est mort. Ouais, on voulait s'assurer qu'il n'y ait personne. Ouais, j'étais en train de chercher justement s'il n'y avait pas un cadavre quelque part. Exo. Exo, tu sais qu'il y a les vitals pour vérifier s'il n'y a personne qui est mort. Ouais, je sais. Oui, bah, du coup, j'ai pas pensé. Okay. Mais en vrai, non, c'est bien parce que ça reset le cooldown du... Ouais. Non, mais ça fait un petit temps, mais je voyais, en tout cas, tout ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a... C'est Zadizik et Ice ensemble, mais personne n'est mort. Ouais, on a passé presque tout le long ensemble. J'ai peur pendant très longtemps. Oui, c'est pour ça que j'ai une question. Ouais. Pourquoi, à un moment donné, t'étais resté collé en dessous de Emergency, juste à côté de la vente? Attends, à côté de... Quand il y a eu le réacteur meltdown. Alors, le bouton d'emergency, il est à l'office, c'est ça? C'est là d'où on repart quand on respawn. Alors, j'étais en train de refaire le truc des câbles, en fait. Parce que je devais faire les câbles. Là, en fait, j'ai parcouru un peu plus toute la map pour ça. Puis il y a eu le truc, la sismique. En fait, je savais pas c'était quoi. Alors, j'ai été vers l'une des flèches et en fait, c'était le truc avec la main. C'est ce que j'ai été faire en haut. Puis j'avais dans les trucs de décontamination aussi les câbles à faire. Et là, j'ai fini mes tasks.
Mais okay, je crois que le hasard a voulu qu'on se suive à peu près tout le long. J'ai eu l'impression que tu t'étais TP en fait, du coup j'étais en mode. Il y avait Non, c'est. J'ai voulu aller appuyer sur le bouton émergency. C'est pour ça que Rutabaga a peut-être trouvé ça bizarre. Voilà. Ouais, on s'est suivi à peu près tout le long. Je sais qu'on a vu Exo au télescope en revenant. Puis du coup, j'ai farfouillé un peu la map pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de suspect. J'ai juste vu que Tabaga était tout seul près du 20 et qu'il bougeait pas. Donc après, je sais pas s'il y avait une tâche à l'endroit là. Je connais pas la map. Donc, Ah oui, si, il y a les fils là-haut. Ok. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de kill du coup. Ouais. Dans un sens, je me dis que. Désolé, hein, mais je pense que c'est peut-être toi, Jonathan, parce que Exo, il était avec nous sur la fin. Et Exo, du coup, j'ai tout mon temps avec lui. Justement, même au réacteur, on était tous les deux. Et justement, il y a je l'ai vu au réacteur à gauche, en tout cas. Ça, les limites. Okay. On a bah, moi... très longue, parce que je sais qu'au tout début, on est parti. On était quasiment tous à gauche, sauf Rutabaga. On était quatre ensemble. Après, on s'est séparés. Ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de kill, parce qu'on était quasiment tout le temps tous ensemble. Petite question. Tout mon temps avec Exo, au cam, etc. Quand il y a eu l'alerte, Jonathan, parce que j'étais sur les cams à ce moment-là, je t'ai vu vouloir revenir avant d'aller tout en haut. Ouais, j'allais revenir sur check les Vitals. Non, ils sont pas là, les Vitals, ils sont pas électriques. Bah, les Vitals, elles sont pas en... Elles sont... C'est électrique, t'as voulu re-rentrer dedans. Quoi ? T'as voulu re-rentrer dans l'Electricals. Bon, j'ai des sérieux doutes sur Exo, mais en fait, c'est rien de fondé. Donc, je sais pas. Bon, j'ai plus de tâches à faire. Il en reste pas beaucoup, hein. Bon, il y a déjà une porte débloquée, ok. Je sais pas où sont les cams. Cam. Il y a pas de cam. Oh putain. Rutabaga, Exo, Joe. Et putain, y'en a aucun qui fait des kills. C'est incroyable. Reste plus grand chose, hein. Qui c'est qui fait rien? Je sais même pas où sont les cams en vrai. Ah! Okay. J'étais au White House, je l'ai vu mourir. J'allais vers le bouton image aussi. Voilà. Ça reporte. Vous avez dit ce que t'étais avec Garance? Non, j'étais tout seul. Moi j'étais tout seul tout le long, il y a eu l'alerte, j'ai suivi la flèche, là j'ai croisé Rutabaga en premier, ensuite j'ai croisé Exo je crois, et puis Jonathan, il y a juste Ice que j'ai pas vu. Parce que j'ai vu personne faire demi-tour je crois donc... Garance et moi on a réparé le truc de droite, du coup je pense que Garance a juste regardé. Oui. À gauche. Et à gauche, je crois que c'était du coup Exo, Ruta et toi. Non, j'étais pas. En tout cas, j'ai vu Ruta revenir de la gauche, mais il y avait quelqu'un d'autre avec. C'est... En fait, Exo, après, je t'ai vu repartir en haut. Si, Zad, t'as été le faire, celui à gauche. Le truc tout en haut à gauche, ouais, j'ai été le faire. Ruta, il est mort où? On sait pas, parce qu'elle a tiré les vagues. En plein milieu. Où ça? Genre, vous voyez là où on démarre? Ouais. Oui. Juste en dessous. D'accord. Et je pense. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'aurais dit Zad. De la gauche ou de la droite, du coup, ça va en dire. En fait, pour moi, j'hésite entre Zad et Exo, parce que Exo, le... c'est quel kill, putain. Merde, il y a un kill qui était ultra suspect. Bah, c'est le kill de Lemric, justement. Je me suis dit, vu que je suis sorti avant toi de là, je me suis dit, t'as peut-être fait le kill. Tu peux avoir fait le kill. C'était mais du où, coup, après, il y a eu l'histoire avec Mtech, etc. Je sais pas. Et là, du coup, je pensais que Zaddy était avec Ice, et que du coup, j'allais t'accuser direct. Mais si Zaddy était pas avec Ice, du coup, ça peut être Zaddy. Et ça me fait chier. Parce que moi, le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai checké qui était à gauche, il y avait Zad, et ensuite je crois qu'il y a eu Ruta. Et moi j'ai voulu re-aller à gauche parce que je pensais que j'avais un truc, bref, on s'en fout. Et j'ai croisé donc Ruta et Zad ici. Est-ce que t'es revenu vers la droite à un moment 5 secondes après, vous avez buzzé. Est-ce que t'es revenu vers la droite à un moment Oui, mais vite fait, mais juste pour regarder qui l'avait fait. Si t'avais vu le kill au milieu, et que Zaddy est passé derrière toi, juste derrière, c'est Zaddy. Si. Qui repasser à droite, ça peut être toi. En fait, ça me semble très bizarre que ça soit au milieu, en fait, parce Non, mais de toute façon, moi j'ai croisé Ruta. Enfin, en gros, je t'explique. J'étais à gauche, j'ai vu Zad. Ensuite, je suis allé à droite pour voir qui le faisait. Je suis re-allé à gauche, j'ai vu Ruta revenir, et du coup, Zad, à mon avis, revenir. Par contre, je vous le dis, là, on est obligé de voter, parce que si, comme le réacteur... Mais, ouais, ça me semble bizarre, parce que...
J'ai vu personne faire demi-tour parce que enfin moi je suis arrivé en premier ou à gauche, je suis parti le premier, donc j'ai vraiment croisé Ruta qui montait, j'ai croisé Exo et Jonathan derrière. Et après je sais pas où vous êtes allé hein, vu que enfin c'était au fur et à mesure que moi je me cassais vers la droite. Et c'est pour ça, ça semble très bizarre que ce soit au milieu. C'est pour ça j'ai des doutes sur toi Jonathan. Après bon j'ai rien fondé mais bon. Pour le coup, pour moi c'est toi ou Exo, mais juste comme je t'ai vu partir vers Garand, je croyais que t'étais avec Garand. Bon, c'est miskin pour moi là, sur le coup c'est. Ah! Je crois que c'est Jonathan, je suis pas sûr. J'avais des doutes sur Exo, mais Jonathan me semble vraiment louche là. Je pense pas que le kill était au milieu, je pense pas que le kill était au milieu. Parce que quand même, ils étaient loin du milieu, on est d'accord hein? Donc je pense que c'est Jonathan, parce que comment il aurait trouvé le corps au milieu? Ça me semble vraiment bizarre. Je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Putain! J'étais sûr, c'était Jonathan! Ça me semblait trop bizarre que ce soit au milieu alors qu'on venait de se croiser en haut, quoi! Jonathan, t'as fait un. Je le déteste! Je le déteste! C'est que Jonathan ou Rutabaga qui avait tué quelqu'un. C'est dur cette game! Oh mon dieu! Je suis sincèrement désolé, Jonathan, parce que si j'avais pas Vent honoré, ça aurait été la meilleure game du monde. Putain, elle était si dure cette game! Mais t'as. Oh mon dieu! J'ai hésité, Sarah, c'est de ma source. Faut savoir que Jonathan a fait 2 kill report au moins. Ouais, c'est ça. Parce que quand même, en fait, j'ai pas tiqué tout de suite, puis à un moment j'ai réfléchi quand il m'a dit que c'était au milieu, j'étais en mode, mais quand même, ça fait pas beaucoup de temps, je viens de les croiser tous en haut, tu vois. Genre, je me suis dit, c'est bizarre que Jonathan dise lui-même que c'était au milieu, tu vois. J'avais pas d'autre moyen pour déclencher la game. Si vous m'aurez entendu, j'étais vraiment en train de hurler en silence, tu vois, parce que j'ai en mode, mais ils sont cons! Le pire, c'est que le corps, il était même pas au milieu, il était devant une porte! Ah non, oui, il était à droite, mais si je disais qu'il était à droite, ça aurait été encore plus suspect pour moi. Mais ça, ça m'a semblé ultra chelou que tu dises que c'est au milieu, et j'ai hésité pendant une demi-heure comme un connard. Mais elle était trop dure cette game, vraiment. Tu m'as appelé. Mais Aethros, quand t'es sur les Vipers. Mais quand tu vois le mec qui meurt et puis que juste après il reporte, c'est un self-report. Oh, j'avoue, ouais, t'aurais dû faire. J'ai pas pensé. Ah ouais, ouais. C'est vrai que. Ah ouais, par contre, j'ai vraiment pas eu d'autres moyens pour déclencher la game parce qu'à chaque fois il y avait des groupes et tout, c'est trop dur. Ouais, mais en fait, on arrive. J'étais sûr, à chaque fois il y avait plein de groupes, j'étais sûr, forcément t'étais dedans. Putain. Désolé Missila pour le kill en début de game sur les clés, c'est moi. T'inquiète pas, en fait, Missila, ça fait longtemps que t'es morte et que t'as rien fait. Ça va? Ça t'a fait plaisir de me tuer même Tech, je joue pas depuis. Tiens! Pardon. Putain. De quoi, qu'est-ce qu'il y a, Mojia? Ça t'a fait plaisir de me tuer dès le début? Je t'ai buté. Ah, personne n'a remarqué, hein! Ah oui, sans les clés! Personne, tout le monde s'en s'est battu les couilles. Moi j'ai vu une personne en train de remonter vers lui, je fais bah t'es morte. Bah et je vais voir. Bon, après j'ai fait mon coup de vent, mais si j'avais pas fait ma vent comme un couillon, ça passait nickel chrome donc kill. Oh, bon, bref, on en relance ou pas? Mais le premier kill, le premier kill dans le stack, c'était qui? Oui, c'est moi, c'était moi. C'est moi! En fait, ok. Pour dire, on faisait à doubler en fait, s'il n'y avait pas eu le report à ce temps, je faisais à doubler. Donc bon. En fait, il faut savoir que le kill au clé, je le fais quasi tout le temps. Le kill au clé, ça peut être que Jonathan ou Ruta, parce que c'est les seuls qui savent bien jouer. Enfin, c'est les meilleurs joueurs. Depuis le début, je l'avais dit. Par contre, elle était vraiment dure cette game, parce que à 5, c'est trop dur. Non, mais bien joué. Bon, on lance la suivante. Framboise dans le chat qui nous dit que c'était une belle game quand même, en vrai. C'était une malice. C'est parti. Désolé, Ruta, du coup, de pas avoir capté. Hein. Ouais, bon, après, je me suis mis tout seul, peinard. Et c'est reparti. On y va. J'ai trop peur d'être. Oh putain, non! Mais non, mais en plus! Oh putain, elle est dans la merde! Ah, je sais pas quoi faire. Je suis une grosse merde, je sais pas quoi faire. Sérieusement? Déjà? Ruta et MTK. Mojia? Bah Mojia? Quoi? Bah quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis revenue et t'étais dans le corps. Mais non, c'est toi qui as fait ça. Putain, le gros menteur. Non, mais j'y crois pas. Attends, moi, attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis remontée, t'étais là. En gros, je vous explique. Je suis rentré dans la salle, donc au-dessus des électricoles, je sais pas comment ça s'appelle. Je vois un cadavre blanc et Mogia qui redescend. Puis, vu que j'ai appuyé sur le use au lieu du report, j'étais en train de faire les fils. Et il y a Mogia qui, du coup, en profite pour remonter juste devant le cadavre, mais qui a pas eu le temps de le report avant moi. Du coup, dommage. Mais du coup, ouais, Mogia tué Exo devant moi. Là. Enfin, pas devant moi, mais le cadavre en tout cas était devant moi et elle est barre. Mais je l'ai pas tué, mais t'es con. Ouais, mais alors. T'es complètement con. Il était c'est où exactement? Pas moi, voyons. J'ai pas entendu, il était où exactement? Au-dessus des cams. Au-dessus des cams, le corps. Littéralement, juste à côté de la veine. C'est qui est parti en tout premier des clés? C'est pas moi, moi j'étais avec toi. Pas moi, je suis parti. Moi j'étais moi, dans le deuxième. Je suis parti sur la droite. J'ai vu pas mal de monde partir avant moi. Moi, je suis moi j'étais dans les derniers. Moi. Ouais, pareil, moi je suis parti parmi les trois premiers qui sont partis. Pas au tout début, mais genre quand il y a commencé après la tasque des clés, quoi. Genre 2-3 bonnes secondes après le truc. Après le début. Moi, Mogia, tu es condamné. Ta vie va finir comme Sheldon Tate. Je suis parti à droite. Moi, j'ai une question pour Mogia. Mogia. Oui. Est-ce que tu étais aux caméras? Oui, j'étais aux caméras et j'étais pas toute seule. Et après, je suis remontée. Ouais. Je suis remontée, il y avait Jonathan devant, sur le corps et j'étais sur le point de report et il a reporté à ma place. Ok. Non, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Ta vie va être comme ça. Je vais pas faire deux fois la même connerie, hein. C'est bon. De toute façon, il n'y a pas assez de trucs pour dire. Par contre, ouais, il va falloir surveiller Jonathan et Mogia. Ouais. Ok. Bon, comme de toute façon, moi, ça va être quand même tech, je vais pas la lâcher. Donc... Moi je mets pas sur Jonathan parce que c'est culotté. Mais là au bout d'un moment il y a tout le monde qui suspecte tout le monde, c'est ça qui est rigolo. Non moi je suspecte pas Tech ni Ruta. Voilà, on était ensemble avec les clés. En tout cas Viskin, la longueur de la partie pour Exo. Désolé Exo, ils ont pas voulu me suivre. Je te vengerai plus tard, t'inquiète. Putain j'ai mis tellement mon gien dans la merde. Oh putain, je sais pas ce que je dois faire. Attendez, il faut que... Ouais, faut que je descende en bas de toute façon. Hop. Elle doit me détester. Ça va, en fait, je connais un poil les tâches qu'il y a à faire, mais sans plus, vous voyez, donc je peux pas me défendre là-dessus. Donc clac, 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 clac. Je vais éviter de faire un kill pour le moment. On va se calmer. Voilà, on va faire le safe puis tout ça. Il faut vraiment que je passe safe en fait, parce que là c'est Mogia qui a tout pris. Alors, bah, j'ai un truc à faire au fond du labo. Hop. Hop, voilà. Ensuite, j'ai un truc à faire au. Ah bah oui, j'ai pas fait les clés mais. C'est où les weapons? Weapons, c'est en bas. Bah, t'sais, y a la porte qui est fermée. Il se passe rien, ça. Tellement rien. Oh putain, j'ai recroisé mon géant. Je sais pas quoi c'est. Elle doit me détester, mon géant, oui. Oh putain.
suspect, c'était beaucoup trop suspect. Bon, Mojia, la petite vente était belle. Enfin. Ah. Non mais là c'est bon. Mojia vente à côté d'office. Quand j'allais regarder dans si quelqu'un était tué. Voilà. Allez. Ah ok. J'ai pas cité de défense mais vas-y mais. Ok. Moi j'ai juste envie de dire que moi je suspectais Frost parce qu'il y a pas de kill. Voilà. Bah super. Ouais, tu as signé qu'à ce que trop pure et innocente. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait pas de kill, j'étais étonné aussi. Je me suis dit, attends, c'est pas moi qui joue là. Pourquoi il y a ouais. Après, si elle est imposteur, elle fake vraiment bien les tâches dans ce cas-là. Parce que vraiment, je m'amuse à faire toutes les tâches et je me fais chier. Hein, et j'ai galéré. D'ailleurs, à un moment donné, Ruta, je t'ai vu, j'étais en train de faire la température, tu vois, avec MTech. À un moment donné, je monte et je te vois dans le coin et je te vois marcher de plus en plus dans le coin. Je me dis, je lag vraiment beaucoup trop et ça m'a fumé de rire. Voilà. Je t'ai pas vu, moi. Du coup, mon non, c'est parce que je laguais, je pense que j'avais 30 secondes de retard sur. Ok. Pas de défense, mon vieux, du coup. Bah, le truc, c'est que moi, moi j'étais près de office, ouais, justement, j'étais près d'office, sauf que moi, j'ai vu personne en fait. Genre, j'ai vu ah bah, moi, j'étais. Personne... Ah ouais, j'étais bien vu, toi. Comment est-ce que tu peux voir. Bah, comment est-ce que tu peux me voir si moi je vois personne autour de moi alors que pourtant, genre, le champ de vision il est plutôt large. Hein, ouais, et on est ah oui, Sud Imposteur il est beau, oui, il est même 0 plus 25 fois plus puissant que le nôtre. Mais... le champ de vision. Non, mais. Bah, non, mais pas quand t'es dehors parce que là, en fait, sur la map là, quand t'es dehors, bah, la musique, la lumière elle affecte pas, c'est juste à l'intérieur. Et dehors, bah, il fait clair. Du coup, je voyais comme je voyais normalement, quoi. Ah. Et du coup, il est mort. Je comprends rien. Elle est morte où, Missila, Mangir? Quoi? Elle est morte où, Missila? Ben, je sais pas, moi. Ah, ok. Le bâtard. Du coup, je peux être safe. Si vous pouvez voter, ça. Bah, en fait, j'ai pas compris. Ouais, bon, vote Ice Rose. Votez Mojia. Bah, je sais pas. Bon, moi, j'ai suivi, mais. En vrai, je comprends rien à ce qui se passe. Y'a tout le monde qui s'accuse dans tous les sens. J'ai pépé. Oh merde, je l'ai mis trop dans la merde. Je me tombe tout seul, je suis trop dans la merde. Oh putain. En plus, je suis parti vraiment dans tous les sens. Je suis parti vraiment dans tous les sens. Ils vont me détester. Attends, en plus je peux pas kill. Bah non. Ils sont tous en haut, je sais pas quoi faire. Oh. Il se passe rien. On se regarde tous les deux. Est-ce que je vente? On va essayer. Et ouais. Alors, j'ai de très 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 forts soupçons sur Ice. Qui était tout en haut à droite. Au niveau du télescope. Et vous savez, il y a les chiottes là où il y a la vente. Mais oui, mais il y a une putain de tasse, il y a des câbles à faire là-dedans. Ça m'a fait peur, moi aussi, j'aime pas. Il y avait des putains de câbles, je suis pas suspecte. Et quand elle m'a vu, en fait, au lieu de se dire... Mais j'avais fini mes câbles, typiquement. Quand elle m'a vu... Et j'ai fini mes tâches. On va dire qu'elle a quand même poursuivi jusqu'à l'entrée du bâtiment, jusqu'à là, je trouve du monde. C'est vrai que je vous ai croisé plusieurs fois tous les deux ensemble. M-tech, alors, M-tech, je suis pas sûr, mais j'ai un très fort soupçon sur elle. On se suit depuis le début de la game. Je me suis dit, il est d'accord avec moi pour dire qu'on est safe tous les deux. Du coup, bah je reste avec toi parce que j'ai confiance en toi.
J'avais mis mon câble. Il y a des putains de câbles à cet endroit-là. Bon. Eh, vous allez, eh, vous, si vous voulez, votez pour moi. Vous allez voir que je n'ai rien fait. S'il n'y a pas de mort, c'est pas de ma faute, pour une fois. C'est pas juste moi qui sais pas jouer. Moi je skip, mais je vous dis, il y a beaucoup de personnes, c'est tout. Bon, bah, skip, écoute, MTech, on passe le reste de la game ensemble, il n'y a pas de problème. Ah, on va faire les tâches. Non, mais les tâches, je les ai finies, j'ai plus rien à faire, je peux tout suivre. Oui, bah, vote le râler là. Attends, à qui il reste des tâches là? Moi. Ouais, il me reste la tâche à communication, je comprends pas là, avec la radio. Rita, va te foutre. T'inquiète. Je vais pas réussir, honnêtement, je sais pas comment faire sans paraître suspect. Honnêtement, je sais pas. Oh merde! J'ai dit que c'était quoi ça à la fin? Je suis beaucoup trop mauvais dans ce rôle! Je savais pas quoi faire! C'était forcément sadisme, puisque c'était que je suis seul à jouer un imposteur! Mais par contre, Mojia, je t'ai mis tellement dans la merde! Genre, au début, on était tous les deux. Genre, elle est un peu derrière moi. Et genre, je vois, il y a juste nous deux et Exo. Je me dis, bon, bah, allez, pour une fois, je vais faire mon bonhomme, je vais faire un kill. Et je me barre. Et du coup, moi, j'étais toute seule. Et du coup, j'ai essayé de tenter des trucs, mais en fait, j'avais peur parce que vous étiez tout le temps ensemble. Et à un moment, tu sais, je vois l'Emeric tout seul. Je me dis, je vais essayer de le kill. Et je vois, je peux pas. Et du coup, en fait, le problème, c'est comme je sais pas jouer, je fais un peu nappe avec ma souris en mode qu'est-ce que je fais. Et je suis entré sans faire exprès dans la merde en cliquant dessus devant sa gueule. Tu vois ce qui m'a saoulé, genre vraiment, ça m'a genre vraiment énervé. Pour une fois, j'arrive à faire un kill, genre on ne me capte pas, et il faut que le con il me remarque de l'autre bout de la map. Là, genre, je te jure, j'étais vraiment, mais genre bien vénère, hein, c'est encore vénère d'ailleurs. Super vénère tellement pas. Bonne nuit, Fambovas sur le chat. Ah, ça m'a saoulé. Oh non, mais ta gueule, je veux pas t'entendre, toi je te vois, je te tue. C'est le problème, si je suis un peu sûr, je te tue en premier. Oh, hey. Non, mais en vrai, sincèrement, j'ai pas compris. J'ai juste vu Ven, je fais bon, bah tant pis. Voilà. Mais sur le coup, tu sais, genre, je me suis dit, il y a Jonathan qui commence à avoir des doutes. Enfin, non, c'était MTech qui commence à avoir des doutes sur elle. Je me suis dit, allez, bon, peut-être sur un malentendu. Et comme un connard, j'ai skip, j'aurais pu voter. Normalement. J'étais ouais, pas contente d'aller dans les toilettes, c'est pour d'accord ça, mais c'est pour ça en fait que je t'ai pas voté, parce que je savais que tu faisais des tasks en mode vénère, tu vois. Mais t'étais verte sur la même couleur de ces putains de chiottes, donc je me suis dit, c'est à la vente, je l'ai pas vu. J'y suis allée, tu sais, je me suis dit, je vais pas entrer jusqu'au bout, enfin en fait, je vais essayer de rester le plus près de la porte pour pas que ce soit trop suspect que je sois juste sur la vente. Je me suis dit, c'est bon, ça va faire bizarre sinon. Je me suis pas mise sur la vente pour pas que ça fasse trop bizarre. Voilà. On était obligé de se rapprocher. Moi, je suis un caca. Et le pire truc, vraiment, j'aime pas cet endroit. Et moi, je me suis dit, attends, il m'a suivi partout. Là, ça y est, il m'a vu. Il se dit, c'est bon, on est copains. Non, tu me suspectes, super. Et puis, c'est comment, en plus, je faisais de la merde. J'étais en mode, alors où est-ce que je suis censé faire des tâches en fake et tout. Et je me dis, tiens, il y a un truc en haut. Et pendant, je vais bien en haut. Je réfléchis en mode, mais non, c'est le truc des clés que tout le monde a déjà fait. Tu sais, genre en mode, putain, ils vont tous caler, tu vois. Désolé, mon c'est que j'ai essayé de t'aider. J'ai essayé de t'aider à un moment, genre j'ai fermé une porte pour pas qu'on voit si tu tues ta vente au lieu de tuer. J'étais en mode, mais il est sérieux celui-là. Mais genre, en fait, je voulais kill et ça, comme je t'ai dit, je pouvais pas, il y avait un décompte. Je me dis, bon bah, je vais faire genre, je pars ailleurs, tu vois. Et comme un con, comme je sais pas utiliser ma souris, je suis rentré droit dedans, disais genre en mode, oh, trou, bonjour. Bon, allez, on en fait une dernière et après, ce sera la fin du live parce qu'il y en a qui bossent demain, hein. Il y en a quand même un boulot. Je sais pas si je suis pas seul. Allez, bon, normalement, je devrais pas être imposteur. Là, tu vas marquer imposteur en gros. Bon allez, cette fois je vais pouvoir faire des vrais trucs. Je vais me faire buter. Direct. Attendez, je reste bien là. Comme ça je suis suspect. J'attends me faire suspecter pour rien. C'est quoi ça? Storage, j'ai un truc à faire en storage? Non, ok. Il y a un missile là qui me suit, déjà c'est pas ouf. On garde missile là en ligne de mire.
Alors les weapons, c'est où? C'est en bas ça, non? Merde, je suis perdu, attendez. Weapons, ah bah si, c'est à côté. J'ai trop peur, ça jamais fait trop peur. Mojia. Oh putain, si elle l'est encore. Pire, c'est que j'ai bien fait l'innocent toute la game, mais en fait j'ai été trop innocent. Ah putain. Les gens, je vais pas trahir ce jeu. Ah! Le skin exo! Bon les gars! J'ai mis skin! Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais je fais ça devant 3 personnes! Non, j'ai mis skin! Je ne suis pas sûr! Mais l'Amérique, je le suivais depuis le début, t'es mon poteau! Je faisais toutes mes tâches. L'Amérique, je suis désolée de t'avoir tué! Ah non, faut prendre les briques, t'as garanti. Il fume les briques gratos. Il y a eu aucun débat. Bon, non, mais. Ah bah en même temps. J'ai mis ce commande. Ah, il se pense qu'il vote Jonathan. On peut. Vous voyez pas sur le Discord, mais Exo il a fait genre il me banne. Genre il peut me banne sur mon propre Discord. J'ai un Discord, point d'exclamation Discord. Excusez-moi, j'ai des flatulences, comment on appelle ça. Alors, cette fois, non, on ira après au Specimen Room. Déjà, on va aller ici. Je crois qu'en haut 2, c'est par là. J'ai envie d'essayer de repérer tout seul. Ah bah tiens, voilà, c'est... Ah non, c'est Garbage. Ah non, bah si, c'est O2. Le labo, c'est en haut à droite. On a Jonathan qui me suit. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on ouvre la porte? Ah le bâtard! Quel yinche! Non, M-Tech, faut pas faire ça. Zadizik est mort. Faut pas faire ça, M-Tech. Moi, je pense que Missy l'a pump stay parce qu'on s'est fait enfermer dans une salle. Grave, et on s'est pas tué, c'était... En fait, j'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur le bouton U pour ouvrir la porte, en fait. Hein. Et non, Gino, ce qu'on s'est dit, j'ai jamais eu ce cas-là, c'est la première fois que j'étais en bah, du coup... Ah, mais Jonathan, c'est bâtard, on est d'accord. Bref, on va parler un petit peu entre nous. Vraiment, honnêtement... C'est bâtard. Le pire, c'est moi qui me suis. Tu sais, genre, je regarde un œil en mode. Et ce bâtard, c'était un méchant. Bon, on va les écouter un petit peu. Ils ont le temps. Je vois que ça vote pas un peu. Donc, ça doit débattre. Écoutons ça. Task, j'avais l'écran et je l'ai vu passer par la porte pour sortir. Alors... D'ailleurs, je pense que Moji est safe. Hein, mais bon, on va voir. D'autres choses. T'étais où, Moji, là, juste avant. La commande Discord fonctionne pas. Juste avant, t'étais où, là? Alors j'étais dehors, j'ai fait les communications, j'ai fait l'espèce de labyrinthe là, je suis revenue et là j'étais dans Electrical, j'étais sur le panel en train de faire une download. Et toi Rotabaga, Rotabaga, j'adore. T'étais où toi? Il était admin. Moi, j'étais à GameTech. Et avant? À Office. Avant j'étais à Office aussi. Non, excuse-moi, je t'ai vu à la caméra au niveau de en haut à droite là, au niveau du. Oui, je suis sorti de laboratoire, j'ai fait la node avec Mojia et ensuite je suis redescendu sur Office. Par contre, Anthony, si t'as dans le Discord, tu pourras pas nous rejoindre en vocal. Hein. De toute façon, on a presque fini. Donc, après, je sais pas s'ils vont continuer à se faire des parties. Après, je vais laisser le channel. Hein. Donc, voilà. J'ai fait. Non. Ensuite, je suis descendu au office. J'ai regardé première fois les vitals. Il y a personne qui était mort. Pour... J'ai regardé. Alors, ensuite, je suis allé à admin pour voir où étaient les gens. J'ai vu M-Tech qui sortait. Je l'ai suivi à vitals. On a vu le rouge qui était mort. Et il a pour buzzé. Moi, au vu de la réaction de Missila, quand la salle s'est fermée. Il était mort d'ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que Jonathan est mort, il est hyper safe. Ça, c'est sûr. Ouais, clairement. Sinon, ce serait fumeux. Bah... Grave. Mais du coup, pour moi, c'est forcément Mojia quoi.
Mais non, ouais, mais non, mais putain, pour une fois, non, c'est pas moi, j'étais en train de faire mes downloads, j'étais sur un écran. Non, mais tranquille, on va pas voter. T'es quand même suspect, quand même. Tais-toi, toi, toi, t'es suspect, t'as appuyé sur le bouton et tu dis Zadie, il est mort, t'as pas report le bordel, t'as appuyé sur le bouton directement. C'est un peu chelou quand même, ça, de faire ça comme ça. Comment t'as su qu'il était mort? Mais les Vitals. Vitals. Mais par contre. Ah là 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 là. Jonathan est très fort. Bon, est-ce que. Ouais, j'ai encore des trucs à faire. Bon, au moins la spécimen room est plus facile à atteindre. Et laboratoire, je sais pas où est la tâche, elle est là. Moi, 28. Je peux pas aider, moi, la tâche. Là. Bon, on a plus qu'à aller voir un peu ce qui se passe. Hein. Bon, j'allais toute seule, elle doit être en panique. Jonathan, il fait l'innocent. On le hante. Au moins j'ai ton Discord, il me semblait pourtant avoir déjà. Bah ouais. Bah après t'avais peut-être. Parce qu'en fait c'était le Discord de GC avant que j'utilisais comme étant mon Discord quand il n'y avait pas GC. Et après il y a 2 ans on a changé et comme ça fait. Allez, Jonathan. Ah bah ça c'est triste. Allez, c'est triste, Jonathan, ça va contre. Ouais, j'avais pas l'occasion. Ouais, ouais. En fait, là, j'avais le choix, soit je buzzais, je disais, bah alors, MTech, pourquoi t'es redescendu quand il y avait le réacteur? Ah ouais, non, non. Je vais rien faire, là, c'est trop dur. Bien joué. Ah, j'ai tenté de m'innocenter avec Missy, là, mais. Ouais. Pas réussi. Bien joué. J'ai. Ah le con. Ah le con. Jonathan. Ah le con. Dommage, Jonathan. Les gars, je fais toute la soirée sans être imposteur, je vis ma meilleure vie parce que je déteste ça. Dernière game, je suis imposteur, j'ai paniqué, je ne rigole pas. J'ai vu ça. Jonathan. En fait, dommage, Jonathan. Ruta, je ne t'avais pas vu. Je ne t'avais pas vu. Voilà. Moi, Jonathan. Mode... Ouais. Comment tu dis comme Jonathan? Juste après le kill de l'Emerig, là. Ouais. Il y a eu un vote sur toi. Bah, c'était moi, je savais que c'était vous deux et que vous aviez tenté un double kill. Non, mais quand même, Pour le coup, Ruta, j'ai pas tenté de double kill parce qu'il venait de tuer quelqu'un, mais je t'avais vraiment pas vu. Voilà. Oh là là. C'est incroyable, genre. Alors, dis tout ça pour dire que MTech a encore essayé de m'accuser d'être imposteur de nulle part. Mais normal. Je t'emmerde, connard. Mais c'est moi. Mais quand même, genre, je finis mes tasks en fantôme, normal, je suis Jonathan, normal, je me dis, ah, il est fort quand même. Et là, je vois du sang exploser au milieu de tout le monde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est moi. Ouais, un V8, c'était trop dur. Hein. Mais Jonathan, pourquoi tu m'as pas tué tout à droite du coup? Parce qu'en fait, t'étais le moyen le plus simple de m'innocenter direct. Ok, ouais, ok. J'étais qu'un outil pour lui. Une toute fois, en fait. Génial. Bon bah voilà. C'est tout pour moi pour ce live. Bon, après, si vous voulez continuer à faire des parties dans le channel là, je vous laisse sur la nuit si vous voulez. Bref, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans mon appel. C'est très sympathique de votre part. J'ai très aimé mon baptême d'Among Us. Merci beaucoup à toi, Zadie. Mais il n'y a pas de souci. Ce sera à refaire un de ces quatre. Et je suis aussi content d'avoir pu parler à des. Il y a certains gens avec qui j'avais pas parlé depuis un petit temps. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Ouais. Bon allez, moi je vous mute parce que j'en ai rien à branler et je vais dire au revoir à mes viewers et je vais aller me coucher parce que la peste n'attend pas. Bonne soirée. Bonne soirée, ça dit. Bonne soirée. C'était sûr en fait. C'était sûr.